Démarrer enregistrement, la vocale, on va y revenir. Voilà. Coucou. Hello. Re le sage. Re le sage. Bonjour à Re tous. les garçons, je suis surpris que tu sois déjà là, Nayonet. Je crois que tu jouais à Halo avec Nash. Alors, on a fait une mission. On a commencé une demi-heure trop tard. Et puis quand on a fini la mission au bout d'une heure, il restait plus qu'une demi-heure, donc on n'aurait pas eu le temps de faire une seconde mission. Ah, Au vu des donc plannings de Nash. Oui? je comprends bien, ce fut court, mais ce fut bon, c'est ça? Oui, voilà, c'est fut court, mais ce fut difficile, mais on a réussi. Ah, bah GG à vous, c'est bien. Faudrait que je regarde la rediff dans la semaine sur Kick. C'est Ouais. bien, bravo les garçons. Merci. Attendez, ouais, Nash, voilà. Je refais la pub à Nash. La manette, elle est là. Ah, je vais remettre ma casquette de Capitoul. Aucun rapport, on s'en fout. Mais si, c'est toi qui nous guide. Oui. Ah, je veux bien une petite visite guidée, le sage. Tu sais, j'arrive. J'ai oh, une visite, s'il vous plaît. Bonne visite. Allez-y, on va attaquer l'automne, les copains. Hey, super. Alors, je vais réorganiser Ça n'a pas enregistré le code. Zut. Mais c'est pas grave, je vais te le remettre à l'écran. Ah, il est. Non, il y a. Le Ok. QUD. Voilà, si tu ouvres grand tes yeux sur mon signal de Je vais Twitch. même l'écrire pour pas perdre de vue le. Alors, Voilà. j'écris. Un cul QUD. Hop. F O Dans le chat, S vas-y. P I F non P F I W S. Ah mais c'est plus le même. Bah non, j'ai relancé une session, c'est évidemment un autre. C'est pas Oh. S, c'est 5. Heureusement. Heureusement que c'est un autre code. Je vais essayer de rejoindre. Oui, heureusement que c'est un autre cadre, ouais, c'est vrai. Letting. Donc la première tentative est longue, je vais recommencer. Punaise. Attends, je me suis trompé. Moi, je crois aussi que je me suis Oh, trompé. une graine rare, besoin de saison de maturité pour s'en faire des griffes. 24 jours. Je crois que je me suis trompé de code. Et Torota aussi. Attendez, 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 attendez. Je vous ai mis le code dans le chat, mais je crois que dans le chat, ça vous aide Ah, pas. si c'est bon, j'ai pas vu. Ah, d'accord. Ah oui, ok. Parce que vous pouvez faire un copier-coller depuis le chat Twitch. Oui, c'est vrai, parce que je regarde pas sur celui-là. Attends, je vais faire Oui, ça. pas de souci. Pourquoi j'ai un tonneau? Je me souvenais pas que j'avais un tonneau dans ma déco, moi. Bon, bref, je suis plus à ça près. Par contre, ce que j'aime pas, c'est le zoom. Je peux pas dézoomer. Ok, c'est bon. J'ai l'impression que je suis super zoomé dans le jeu. Ah, capture d'écran, Là, c'est 25. bon. Ok. Bon, allez. Donc, on doit tout raser, c'est ça? Des maisons, On Non, va dépenser tout l'argent. ça se Je rase prends tout de seul. l'argent. Regardez, ça se rase tout seul. Vous avez vu l'état des cultures? Oh. Ça se rase tout seul. Il me faut ma faux, ouais. Il faut déblayer les champs, on va tout. Ok, il faut déblayer toute la forêt. Attends, mais là, il y a une Non. falaise. Enfin, le terrain, parce que la forêt, tu me fais peur quand tu parles de forêt. Mais attendez. L'arbre, il m'empêche de passer. Alors, en général, la première journée de la saison, tu restes dans la ferme parce qu'il y a tellement de boulot. Alors, les tournesols sont restés, évidemment, heureusement. Du coup, tu dois tout raser. Tu Non, prends une pas. fosse et ça pour. Tout raser, c'est un bien grand mot. Il faut préparer la nouvelle Humide. saison, mais vous inquiétez D'accord. pas, au-delà des mots, avec l'expérience, vous allez comprendre. Tu as grandi. C'est possible. C'est le sage. C'est surtout que je Oh, il y veux a du ta miel. contribution, les. Oh. Et le bois, il pousse tout seul, je me souviens. Il faut graser du bois un peu de temps en temps. Ah oui. Attends, Ah, on est des jumeaux. Ah, vous avez la même apparence? Ouais, Ouais. je peux casser la tête.
J'ai vu vraiment la première apparence, j'ai cherché un peu, mais... Je crois que je vais... il va me falloir un terrain. Merde, j'ai pas pris le terrain du dessous a l'air pas mal. Allez-y. Je crois que je vais tout raser. Faites comme vous le sentez. Allez-y. Ah, magnifique, merci. Enfin, sauf là où il y a les arbres qui ont le récolteur, ça serait pas mal. Ah oui, là où il y a un seigneur, oui, évitez, parce que c'est tellement cool d'avoir la sève des arbres. Ah merde, j'ai buté les abeilles. Non. Bah, il y avait une ruche. Bah, il y a une ruche, mais loin. Des maquis. Alors, attends, je vais ranger le maquis dans le frigo. Un beau cadeau qu'il m'a fait. Alors, attendez. Récolter du bois. Oui, allez-y, je vais faire le minerai. Il va falloir que j'aille chez Pierre acheter des graines. Le marchand de... pour acheter une canne à pêche, tu l'achètes dans quelle cabane? Tu vas sur la plage, sur les quais de la plage, tu vas voir la baraque de Willy le pêcheur. Le marin pêcheur, Willy. Celui qui porte le béret qui est barbu. Le vieux loup de mer. Ça marche. Alors je vais aller le voir. On va le mettre où moi? Parce que je vais mettre je vais pas empiéter sur le territoire de Attends. Je vais me faire de la place. Je vais ranger dans le coffre que j'ai. Comme ça, ça sera pas mal. Ouh. Alors où est-ce que tu veux mettre Dorota? Là? Au sud? Ok. Là, je vais faire une sacrée place. Moi, je mets les citrouilles ici. Bon, j'ai déjà planté des trucs précieux. Je réfléchis. Et hop là, on est parti. Et réglé, tu croquettes. On est parti. Alors, arroseur automatique. Je suis moitié énergie déjà. Ouais, ça va vite l'énergie. Surtout quand tu débutes, c'est pas... Merde ! Première faute. Ah. Ouais, arroseur là où il fallait pas. Alors heureusement qu'on peut assez rapidement les... Alors, voyons, si je me souviens bien, on était par là. Tu étais descendu par là. Je vais aller voir Pierre qui vend les graines, parce qu'il y a forcément à faire pour préparer la nouvelle saison. Hop. Est-ce que c'était par là? Je crois que oui. Quitte à ce qu'on... Ah, merde, il y a une scénette. Oui, c'est la mienne. D'accord. Georges, mes soupirs, comment vais-je réussir à attraper cette trou dans le fond? Ah, il y a Mlle Penny qui arrive. Elle se précipite. Attends, laisse-moi t'aider, monsieur Mulner. Hey, j'ai plus d'énergie, je suis fatigué. Voilà ma première canne à pêche. Ah, j'ai coupé du bois, donc c'est fatigant. Ok. Voilà, dit Penny. Oh, il est pas content. Il est toujours grincheux, Georges. Non, je reviens. Je suis arrivé tout seul, je peux très bien me déplacer moi-même. Tu penses vraiment que je suis si faible que ça? Le toc, le hameau, les lunettes noires, j'adore. Le chat a faim, je reviens. Oui, fais donc. Ah oui, c'est l'heure de ses croquettes. Alors, Samantha, tu nous regardais. Lui, très gentil de ta part, Penny. Tu aurais dû laisser se débrouiller tout seul, il est grincheux maintenant. Je fais juste une promenade en m'occupant de mes affaires. Non, c'était très gentil de ta part, Penny. Merci, dit Penny. J'aimerais que Georges ne soit pas si énervé, je voulais juste l'aider. Georges se sent honteux, soupire. Non, non, je suis désolé, mademoiselle, j'aurais pas dû me comporter comme ça. C'est vraiment très gentil de votre part de m'aider. C'est pas grave, monsieur Mulner, je comprends. Voilà, il va partir bouder le restant de la soirée devant la télé chez lui. Voilà. Tout va bien. C'est pas facile de vieillir. Alors, je préfère pas y penser, c'est juste un nouveau chapitre de la vie, c'est pourquoi nous devons respecter nos aînés, je préfère mourir jeune. Non, c'est pour ça que nous devons respecter nos aînés. C'est gentil à toi de dire ça, je suis entièrement d'accord avec toi. On devrait traiter nos aînés avec le même respect que celui que nous espérons recevoir un jour. Voilà qui est dit.
Il est militant, hein, ce jeu. On dirait pas comme ça, mais il y a des phrases comme ça glissées qui sont lourdes de sens. Eh bien, c'était intéressant de te parler, Samantha. Je devrais y aller maintenant. Bonsoir, Poupon. Bonsoir, Poupon. Je te vois venir, Poupon. Non, non, non. C'est fini avec un Y. Donc, je disais, allons voir Pierre pour acheter des graines. Graines à vendre. Alors, citrouille, maïs, aubergine, chou chinois, igname, canneberge, blé, tournesol, rose de ferry, amaranth, raisin. Ah, raisin, c'est intéressant. Artichaut. Ah ouais. Hop là. 12, 24. Je vais prendre des graines de raisin pour faire du vin à l'année en plus de la bière. Ça apporte du fric. Comme j'ai mis 12 arroseurs automatiques, je vais prendre 24 pieds. Puisque je peux arroser de chaque côté en automatique, donc on va prendre 24 pieds. Voilà, déjà le vin est assuré. Artichaut. Pas mal. On va faire un peu dans les artichauts. Amarante, ça peut être pas mal. Je crois que c'est une quête, l'amarante. Apporter un bouquet d'amarante à la fermière. Là. Tournesol, on a déjà du blé. Je sais pas si ça vaut le coup. Canneberge, oh la vache. Ah, continuer à produire la première récolte. On va faire dans la canneberge. Putain, ça vaut cher. On va faire 12 pieds de... Ouais, un peu de tout, un peu igman, un peu chou, aubergine, je sais plus si j'en ai. Maïs, on en a déjà, et citrouille, on en a déjà. On va déjà faire avec ça. C'est déjà pas mal, vraiment. Ouais, puis il me reste encore 8 arroseurs à poser. Reste pas planté là. Ah oui, non, c'est Damien qui est parti nourrir en vrai... je comprends, pardon. Réglisse. Ah, la morande, c'est plutôt la... Oui, pardon, tu vois, même moi je l'avais oublié, tu vois. Bon, merci de le rappeler, c'est vrai. Mon Dieu, quelle époque. En même temps, je peux pas lui donner tort, au contraire, elle joue de ses charmes et c'est une maline. Mais on a... Oui, derrière Capitoun. Mais ouais, on en avait parlé, mais... on en avait un peu débattu sur mon antenne, les nouvelles formes de prostitution, en fait. Parce que c'en est une. Par écran interposé, mais... Enfin bref. Oui, merci, hein. Oui, tu l'avais pas vu. J'ai craqué. Et puis c'est bien, elle est légère. Je la sens même pas quand je l'ai sur le crâne. Je l'oublie. La casquette. Il est déjà 19h. En fait, alors je viens de remarquer un truc qui est horrible. Quand on joue des scénettes en multi, le temps passe. Donc en fait, j'ai perdu presque ma journée dans la scénette. C'est horrible. Putain, c'est terrible. On se croirait dans Night Trap. Le temps de regarder l'intro, en fait, les ennemis se sont barrés. Ah, merde. Ouais, ça y est, j'ai déjà les enquiquineurs des ennemis. Non, j'aurais pas le temps de planter mes trucs, c'est dégueulasse. Ah, le jeu est cruel. Oui, Nayone a bien fait d'aller se pioter. Et plus d'énergie. Ouais. Non mais stratégiquement, tu l'as bien joué, je te l'accorde. Bah, le problème, c'est que j'ai complètement zappé que, en fait, quand on coupe du bois, le mec, il fatigue très vite. Ouais. J'avais dit quoi ? J'avais dit que on va faire déjà... Ouais, alors là, je vais faire la canneberge. La canneberge, ça vaut de la thune. On est d'accord, hein, j'ai fait la grotte aux champignons. Est-ce qu'il y a de l'eau dans la gamelle du chien ? Oui, c'est fait. Donc je vais aller tout de suite planter le raisin. Le raisin va m'apporter richesse, fortune et tout ce que vous voulez. Attends, je vais le faire à la souris parce que à la manette c'est trop chiant. Souris, voilà, c'est beaucoup plus rapide. Surtout qu'il y a un ami qui va me faire suer. La pêche, c'est pareil, c'est pas évident. Ouais. Rien n'est évident dans Stardew Valley. Sachez-le. Même la drague, le social, n'est pas évident du tout. Ah non, mon perso, il va être complètement asocial, là. Attention. Non, pas social. Complètement asociable. Récupère ce champ froid. Cette chanson.
Alors, ça c'est bien. J'aimerais planter le reste avant la tombée de la nuit. Je vais le faire à la souris, vraiment, parce que le temps est en train de passer. Mais non, mais... Samantha, fais pas suer, s'il te plaît. Plante tes graines. Attention. Oui, merci de me défendre. Parce que là, je suis en mode panique. Le temps passe et j'arrive pas à planter mes graines. Et ça la fout très mal. Je reste à côté, si tu veux. Ouais, je merci de me couvrir. Parce qu'on a encore plein de remplacements automatisés d'arrosage et... Oui. Voilà. Ah. Chauve-souris. Oh punaise, je vais t'appeler. Ah mais j'ai... Mais mon énergie, c'est revenu. Mais lol. Ravi pour toi. Bah tu peux en te reposant, en allant au bain, en mangeant un truc. Attention, chauve-souris. Je vais prendre un... Mais non, mais je veux pas. Zombie. J'ai pas... J'ai rien calculé non plus, c'est la merde. Merci de me couvrir. Là, je vois rien, j'ai plus de... C'est nouveau, ça, des monstres. Il y avait pas ça dans le... Il y avait juste des chauves-souris à l'époque, quand j'avais joué. Oui, bah, il y a eu une mise à jour depuis, je pense. Une mise à jour, une. Ouais, mais tu vois, comme il y a beaucoup dans le... Oh putain, il se fait tard, j'ai plusieurs mises à jour. Il y a eu plusieurs mises. Parce que ça fait des années que j'ai pas... Oui. Ah, la panique. Je suis en train de quitter les plantations. Y'a un petit problème dans ma plantation. Pourquoi y'a bouge pas? Parce que Dayuni est en train de tout massacrer. Allez, tout le monde dodo. Merci de m'avoir défendu. Bien joué. Ouais. Oh merde, y'a toutes les bières. Ah. Allez, tout le monde dodo. Da, 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 da. C'est ça. Pourquoi il se couche pas? Allez, dormir cette nuit. Pourquoi est-ce que je... Est-ce qu'on peut tenter une insomnie dans le jeu? Non, c'est mortel. En fait, c'est mortel. Tu peux dépasser au-delà de minuit, mais je rappelle que quand tu dépasses au-delà de minuit, c'est proportionnellement le temps passé en au-delà de minuit va peut-être soustraire ton énergie du lendemain. Donc tu vas te réveiller à cause d'une nuit courte, fatigué. Si tu atteins 2h du matin, là, tu vois que je joue avec le feu, à 2h du matin, tu tombes dans les vapes. Donc ça veut dire que tu te retrouves à l'hosto le lendemain et ça coûte bonbon. Donc là, voilà, j'ai placé rapidement et je vais me précipiter dans plus marque que vous aurez remarqué que j'ai mis près de mon entrée. Voilà. Un double plumard, hein, tu peux accueillir... Oui, on peut s'accoupler, fonder une famille, ouais, c'est prévu. J'ai jamais fait, mais c'est C'est bon. Ouais, ça va loin, hein, Stardew Valley. Ouais, j'ai gagné de la thune. Ah non, c'est à toi, pardon. C'est à nous, c'est commun, c'est un pot commun. Je viens d'arriver, je commence déjà à rafler de la thune. Non mais ça va, là j'ai investi dans les graines de la nouvelle saison, donc... Il faut que je peaufine en... Voyez. Attends, là, je... Ça va être bien. Ouais. J'optimise. Il y a encore des emplacements... Regarde, putain, mais celui-là on le fait pas. Ça laboure. Attends, oui, ça laboure. C'est surtout qu'il faudra que je rajoute des arroseurs là. Ou alors qu'il faut arroser manuellement. Il y a des récoltes à faire au niveau des arbres, au niveau des ruches. Allez-y, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je vais abattre l'arbre là parce qu'il me bouffe, je vois plus rien. Et j'aimerais voir mes plantations. Ah, c'est ça les ruches, ok. Ouais. Vous allez prendre vos repères, vous en faites pas. Mais vous courez un peu partout, là je vois qu'il y a de la résine à récupérer sur un arbre un peu plus en bas. Il y a même de l'érable, du sirop d'érable, je vois, près du le long de l'étang. Voilà, je vais aller re-racheter des graines chez Pierre parce que. Mais je vais reprendre, ça veut pas prendre le truc. Comment ça tu peux pas prendre le truc? Oh, ça c'est bien. Attends, je dis que la graine du chien. J'arrive pas à la prendre. Ah si, c'est bon, j'ai récupéré, je crois. Non, c'est quoi? C'est du sap, tu vois ce que c'est? C'est... Prends, vas-y, c'est toujours bon à prendre. Je crois que tu l'as pris. Mon cerveau me dit beaucoup de choses. Faut que je me vide les poches. J'ai trop de trucs sur moi. Vite mon sac. Vas-y, déverse tout ce que t'as à vous dire.
Bah j'ai l'inventaire qui sature. L'inventaire des soucis qui sature. Oui c'est ça. Ouais, super minerai. Alors celui-là il va prendre toute la journée tellement qu'il est intense machin. Je voulais faire quoi? Est-ce que quelqu'un a fait la grotte aux champignons s'il vous plaît? Ouais, je vais l'occuper. Non, je l'ai pas fait. Tu les mets où tous les ce qui est. Alors, les couleurs, ça correspond aux saisons, c'est ça? Oui, les coffres correspondent aux saisons. L'orange est pour nous, c'est le l'automne. Orange. Le bleu ou blanc, c'est l'hiver. Le vert, c'est le printemps. Et le jaune rouge, c'est l'été. Le sirop d'érable, tu le mets où? Orange, alors. Alors, le, si rouge, je... le sirop d'érable, je le mets dans le coffre universel qui est planqué, qui est vert, qui est le truc de la nature toute saison. Le vert, il est planqué complètement à droite, ouais, derrière l'arbre. Vu, merci. Et ça aussi. Hop là. Alors, je peux encore acheter des graines. Qu'est-ce que je vais acheter? Oh. Graines de rosemary, allez, j'en ai pas prise. Je vais en faire un petit lot. Hop là. Il y a chou chinois. Ça me servira pour plus tard. C'est toujours le bienvenu. Citrouille. Allez, je vais faire quelques citrouilles en plus. Puis le reste, je pense que ça devrait suffire. Bon, je complète par des aubergines, c'est pas cher les aubergines. Je peux en acheter un gros lot et puis. Tiens, il y a la mangeuse de. Gros lot, non, pardon. Abigail, voilà, je lui ai offert du miel, elle est heureuse. Jody, nous dit le sport est important pour rester en bonne santé. Je mange toujours pour rester réservé du temps à ça. Elle est interrogative. Merde, elle vient de se presser. Tiens, Robin, t'as gagné un pot de gelée. L'autre nunuche, elle aurait pas dû se barrer en courant. Tiens, Marnie, je t'offre de la gelée. Faut entretenir les relations sociales et se faire des copains. La croisure s'amuse, Next Generation. Oui, il y a un peu de ça, Poupon, c'est vrai. Ça y est, j'ai Eric en tête. Merci, Poupon. The Love Boat. Ferry, je vais les mettre ici. Attends, j'ai du mal te comprendre, Nayone. J'ai compris que tu disais un truc du genre tomber, je sais pas quoi. Quoi? J'ai laissé tomber, je sais pas. Ah, j'ai laissé tomber, oui, peut-être. Oui, je sais plus ce que j'ai dit. Attention, j'ai pensé de tout. Je pense où je suis en train de. J'ai peut-être dit tomber parce que j'avais des affaires dans mon truc et je savais pas quoi s'en foutre. Ou je peut-être laisse tomber pour pas savoir où les mettre. Bon, j'ai l'inventaire qui est plein et. J'ai pas trouvé. Tu vas arriver à la même conclusion que moi, Nayone. Stardew Valley est une expérience troublante. Ouais. Oh, il y a un magasin là. Mais charmante. Une bibliothèque. Alors attends, moi je vais voir si je peux pas. Mais merde, là aussi je l'ai pas optimisé, regarde-moi ça. On va se faire de la thune, les garçons! C'est bien, on utilise la ferme! Avec ce magasin, c'est curieux. Oui, n'hésitez pas à visiter. Là. N'hésitez pas à visiter, moi je réfléchis. Merde, j'ai pas assez de minerais. N'hésitez pas à descendre dans la mine, la carrière, récolter des minéraux, vous battre. Privilégiez le cuivre et le fer argent, s'il vous plaît. Privilégier les 80 premiers sous-sols de la mine. D'accord. Enfin, vous y avez peut-être pas accès au début, je pense. Il y a peut-être que moi qui. On a une mine en carton pour commencer. Une pioche en bois pour commencer, je crois. Non, en pierre. Pas en bois, déconne pas, c'est pas Minecraft. À la base, elle est quand même en cuivre, le premier outil. Mais c'est vrai que tu montes crescendo en qualité après. Merde, ah oui, mais j'ai rien mis là. Mais non, mais attendez, j'ai encore des emplacements là où là c'est arrosé et c'est vierge. Ah! Aubergine. Ah!
interdit d'avoir un emplacement vide. Ah bah, je peux aller racheter des graines. Il y a encore deux emplacements. Ou alors je... Il y a une nana qui me dit que c'est cool de me rencontrer. Oh bah c'est sympa. Oui, il y en a qui sont sociables. Oui, merde, non, c'est pas là. Mais mon mélange automnal bonus. Voilà, j'ai des graines jackpot. Je vais en faire usage. Ça, j'ai pas retourné chez Pierre et au moins j'ai quelque chose qui va pousser. Donc les graines de saison, c'est aléatoire. Hein. Ça peut être plein de trucs. Ça peut être des mûres, des fruits, des légumes, des ce que vous voulez. Il y a un supermarché, cool. Ouais. Ouais, j'ai dépensé toute la thune. Je vais chercher le rayon de chocolat. Excellent. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Non, c'est pas. Non, parce qu'avec la pêche, il faut que j'appuie sur X, comme je suis sur manette. Mmh. Ah, donc du coup, pour trouver le bon rythme, mon Dieu. Excellent. Ah, j'ai pas de rat. Oh la vache, il y a des notes secrètes, il y a des machins, des cookies, là j'ai de la bouffe, là j'ai des appâts, j'ai des piles. Donc j'ai pas durable de minerai, je crois pas. Ah oui, les coffres là ils sont vides. Si ma mémoire me trahit pas, j'ai préparé les coffres mais j'ai rien mis dedans. Voilà. 6 coffres vides. Bon, après ça je fais quoi? Je peux faire beaucoup de choses. Je vais peut-être rendre visite aux sorciers. On en est où dans le social? J'ai pas fait de cadeau aux sorciers. J'ai pas fait de cadeau à grand monde. Un CD cassé, super. Ça se recycle, j'ai une machine à recycler, prends-le. Rien ne se jette dans Stardew Valley, même les déchets. Les sacs poubelles, tu les prends, je te les recycle, j'en fais quelque chose. D'accord. C'est extraordinaire, tu vas voir. Réfléchissons vite et bien. Je vais faire un cadeau au sorcier. Oh, le chocolat, j'ai trouvé le chocolat. Mmh. Il y en a plein qui vont adorer le chocolat. Alors là, pour l'instant, c'est vrai qu'au début, on n'a pas beaucoup de place hein, quand on débute. Ouais. Ça va venir. Partage à 3 l'endroit en plus. Il faut que je range mes graines. La faux, je vais la ranger dans l'un des outils. Je n'ai plus besoin. Merde, c'est déjà la nuit. Je peux vous laisser ma. Oh non, je dois. Non. Oh, non, j'ai plein de place. J'aimerais voir le sorcier avant d'aller me pioter. Au moins le sorcier, que je fasse le chemin jusqu'à chez lui. Épée en main, parce qu'à mon avis, je vais rencontrer des ennemis à la noire. Bon, le vendeur est pas là, il n'y a pas la roulotte. C'est beau ces teintes roses au crépuscule de la prairie, et crépuscule en automne. Allez, sorcier, salut mon gars. Je te fais bien confiance pour aller au sous-sol, machin, traite avec respect. Cadeau. Oui. Voilà, il est content comme tout. Bon, au moins j'ai vu le sorcier, j'ai fait un petit peu. Ah mince. Comment ça mince? Mais durant la pêche, j'ai eu un coffre avec du bois et du charbon. Ah bah c'est bien, t'as eu un bonus. Mais comme j'ai toute ma rangée de prises... Ah, tu vas devoir faire des sacrifices, alors qu'est-ce que tu jettes dans la corbeille? Ah, c'est terrible hein, comme dilemme. C'est terrible. Ça me rappelle Diablo, on devait jeter des inventaires et pas savoir lequel est le meilleur objet. Ah, exactement. Faut faire un sacrifice. Ouais, faut se sacrifier, mon fils. Oui, mon fils. Oui, mon père. Il est à la retraite, on dit oui, mon pépère. Ouais, mais comme j'ai plus de place, ouais.
Merde, moi j'ai une pièce pour le bois tellement que j'en ai 2000. Extraordinaire. Confort de la maison. Alors j'ai tout fait de la télévision, on est d'accord. Oh, excusez-moi, j'en reviens. Fais donc. Est-ce que tu gardes le poisson ou est-ce que tu veux... Alors le poisson, non, tu peux le mettre... en fait, chez moi, dans ma cuisine, j'ai un coffre. Et raccordé à la cuisine, en fait, je peux tout de suite le cuisiner en tout ce que tu veux, en ragoût de poisson, en sashimi, en sushi, etc. D'accord. Donc, truc d'aérobic hebdomadaire. Mise à niveau de la maison, vérifier le coût du niveau des bâtiments. C'est vrai que je crois que tu revends pas le poisson parce que je pensais que le poisson t'allais le tu revendais aussi histoire de Non, j'ai pas pour habitude de revendre le poisson. Attends, d'accord. 1000 pièces d'or, du bois dur. J'ai combien de bois dur moi? Mais du coup, alors attends. Déjà, on va voir la météo. Nuageux, rafale de vent toute la journée. Oui. Pas tonal quoi. Bois dur. Ah non, j'en ai pas beaucoup. J'en ai moins de 60 du bois dur. Ouais. Bélier, minuit. Hop là, pile poil. C'est ponctuel, c'est parfait. Bien joué, les garçons. Ah, puissant empêche. Magnifique. Alors, je vais tout de suite faire la télé. Au moins, je me dis que c'est fait. Alors, j'apprends quoi? Patate douce ou sucre glace? Ah, je savais déjà. La reine des... Ah, demain, il pleut. Ah, magnifique. Mais bon, comme on a quasiment tous les arrosages automatiques, on n'a pas vraiment à se soucier. Oh Alors... Gus qui m'a donné un tacos de poisson. Merci, c'est gentil. Le poisson... Est-ce que c'est là? T'as plus de poisson ou... Regarde le coffre le long de ma cuisine là en bas. Alors le coffre. Ah wow. Tu caches tout. Bah caché non, c'est pas volontaire, c'est juste que c'est dans le secteur de la cuisine, donc c'est pris en compte dans les recettes quand tu cliques sur l'établi de la cuisine. Oui, il faut mais le mettre à proximité. C'est... Tiens, je t'ajoute un poisson que tu n'avais pas. Ah bah c'est cool, merci. Un anchois en or. Wow, anchois qualité or, bravo. La classe. Et un anchois argent. T'avais ni l'un ni l'autre. Merci, Tota. Jardine, ah ouais, non. Bon. Eh ben, c'est reparti. Il y a des grenades à récolter. On a un arbre fruitier qui donne en automne. Il faut penser à le voir tous les 3 jours. C'est le grenadier. Ah, c'est bien, tant que... Je viens de récolter tant que c'est grenades. Des choses à faire péter. Alors, la grotte. Hop. Donc j'ai fait les champignons, c'est bon. J'ai envie de vous dire, vous avez quartier libre. Parce que là, comme on a quasiment l'arrosage automatique, moi je serais vous, j'irai à la mine apprendre à combattre. Et récolter des minerais. Hein. L'aventure à la Diablo, c'est super sympa dans Star Wars. C'est parti, je voulais visiter la ville. Visiter ah, la là, ville j'ai envie de... Si tu veux visiter la ville, je te contrarie pas. Va visiter la ville. J'ai envie de faire de la pêche et je suis à fond dedans. Eh ben, fais la pêche. Bon, je vais miner. Ah, je vais miner, d'accord. Je fonce. Je vais voir un peu le marché. Où la mine? Dans la mine. En haut, droite. La mine, en fait, elle est au sommet de la montagne. Canne à pêche. Parce que la montagne, il creuse. Merde, la bière, c'est... Attends, faut que je fasse... Donne-moi ta canne à pêche, la plus belle qu'il soit. Ouh, le matos de pêche peut coûter très cher, je crois. Je crois que j'ai jamais utilisé à fond la pêche dans Stardew Valley. J'ai toujours négligé à mon grand tort. Alors, les mousses sont prêtes, donc ça veut dire a freak. J'ai trouvé un coffre immense, j'ai jeté les trucs dedans, ils ont disparu. Ah non, c'est le coffre de vente. Ah. Des trucs récoltés. C'est un bac d'expédition, Nayone. Qu'est-ce que t'as mis dedans? Des trucs que j'avais récoltés. Recueille des trucs que j'ai récoltés, moi, bon, des ça trucs va. À la con. Bah, ce sera à la vente. Mais dis-toi que tu peux pas la récupérer. Oui, j'ai peut-être pas précisé, pardon. Mais ce coffre-là, c'est ce que tu mets à la vente. Ça te fait le bilan au moment de faire dodo et juste avant la sauvegarde pour le lendemain. Dans le principe moi, je peux du pas. Jeu.
Pourquoi je vais pas quitter le coffre là? J'ai pas envie de rester dans le coffre. Bah t'as un... Ah voilà, c'est eux. Ouais, t'as c'est eux. T'as un bug, ouais. Tu me suis pour aller au... Non, j'ai trouvé la mine, t'inquiète. Alors, est-ce que tu as une pioche et une épée? Enfin, une arme. J'ai pas d'épée. J'ai une... Bah j'ai la houe, là, le maillet là que tu m'as donné. Ah bah si, c'est une arme le maillet en bois. Bah c'est bien. Et je vais me débrouiller pour aller à la mine. Ok. Moi je fais des récoltes près du bus parce qu'il y a des trucs à récolter. Ouais, écoute. C'est un truc de vente, ça sera de l'argent de gagner. C'était que des crottes dedans. J'ai vendu de l'or massif, c'est pas grave. Ah, je rigole. Bah c'est à éviter, c'est pas vraiment perdu parce que c'est vendu, mais vaut mieux le garder pour en faire quelque chose au niveau marchandise. Allez, mine en automne, c'est parti. T'arrives à la mine ou pas? Je suis en train de chercher la mine, je vais la trouver. Attends, je vais te montrer l'entrée. Je suis parti, hein, t'inquiète. Je l'ai trouvé, je lui ai en haut à droite. Ah, c'est bien, voilà, c'est là. Alors, je fais le tour. Ah bah non. Pourquoi je suis arrivé avant toi, je vais te montrer. Alors, je sais pas si toi, en multijoueur, tu vas le voir. Parce que t'as peut-être pas déverrouillé parce que t'es un genou. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en train de me parler, Marlon. Ah, d'accord. Ah, ouais, alors, ouais. Normalement, je peux pas descendre au niveau 1. Niveau 1, je suis obligé de censer trouver la sortie, à mon avis. L'ascenseur, j'ai plus que le niveau 1. D'accord. Ah oui. Ok, ouais. Peut-être, je vais vérifier. Non, bah vas-y, fais ton expérience de minage. C'est logique, c'est bien. Au moins, ça évite de tuer l'expérience en multijoueur. C'est bien pensé. T'es obligé de progresser comme si t'étais en solo, c'est très bien. Parce que si moi. Ah, il m'a donné une épée. Ouais, c'est sympa. Rusty Sword. Oh, j'ai gagné un grain de café. C'est rare ça. Tiens, je vais faire de... Bah, les 40 premiers sous-sols, dites-vous que vous allez récolter surtout du cuivre. Et c'est très bien. Parce que le cuivre, on en a très souvent besoin. Ah, je peux choisir Si, je peux choisir l'étage. Donc je vais à quel étage? Bah moi, je suis au 66ème. Mais t'auras peut-être pas le niveau, tu vas te faire patater, mon pauvre. Ah oui, je vais tenter le 5 pour commencer. Ouais. Attends, je serais curieux de voir si je peux te rejoindre. C'est ça qui m'intrigue. Quand il y a des ennemis, moi je peux pas m'empêcher de les patater. Parce que là je suis je suis à l'aise comme dans Final Fantasy, j'ai un haut niveau. Donc j'ai tapé. J'ai tapé un. Comment on appelle ça? Un gélatine. Un slime à la con, un gélatine à la con, et. Bah il me faut lui 25 coups d'épée pour le tuer quoi. Donc effectivement, un niveau 66. Tu vas te muscler les bras. Je peux avoir une pioche à mon diamant enchanté, s'il vous plaît? Non, y'a pas. Ah, je te vois. Ah, c'est bien, on peut faire l'aventure vraiment ensemble. Oh, c'est trop bien. Bon, bah vas-y, creuse et moi je te couvre. Tu sais, pour les ennemis. Ah, j'ai le trou. Nayonnais. Le trou, c'est qu'il faut descendre. Youpi! Vas-y, je te laisse piocher les machins, moi je te défends. Je regarde s'il y a des ennemis, je les patate. Bah, visiblement, y'a personne ici. Coucou! De sûr, tu vas prendre un coup de hache malencontreux. Ah, j'ai trouvé un bidule, une géode. C'est bien. Vous avez trouvé une géode, blacksmith. J'aime bien le temps qu'ils disent des instructions, je vais péter tous les rochers de l'étage. Ouais. On peut jouer à plusieurs dans la même mine. Ouais. Et là, duel à l'épée. Non, me tue pas, mec. Me tue pas, mec. Zou, sous-sol suivant. Au suivant. Bon, il faut savoir que j'ai zappé le 1, 2, 3, 4. On dit donc que c'est vénère, ça tape de façon vénère là, dis donc. Ouais, c'est un crabe. Ah, pardon. C'est le crabe qui a éternué en mourant ou... C'est ça. Aïe, les gélatines mouraient. Trouvez la trou. Pourquoi je dis la trou? Trouvez la sortie. Il y en a deux des sorties. Ah, il y a deux passages. Oh, il peut y avoir 50 sorties. Hein. Moi, j'ai déjà eu. J'ai déjà réussi à provoquer 7-8 échelles dans le même sous-sol. Alors, je me souviens à l'époque. Je me souviens qu'à l'époque, le. Justement, il n'y en avait qu'une seule. Bah, il vraiment se casser la tête à creuser toutes les pierres pour savoir où était la sortie.
Non, non, la règle a changé. Bah, les règles ont changé depuis mon départ. Attends, il y a ce caillou là, mais... Mais avant, toi. J'ai eu lentement, je comprends pas. T'es pas fatigué par hasard? Tu serais pas épuisé? Ah oui, j'ai de l'énergie qui manque. Vite téléportation. Ouais, ouais, c'est le problème. Faire gaffe à l'heure aussi. Ah, il faut que je rentre. Le... Ouais, ouais. Bah rentre, c'est pas grave. Moi, je continue en solo. C'est bon, il est entré. Regarde bien. De toute façon, c'est pas grave, t'es dans un sous-sol sécurisé. Alors... J'ai... Comme on a tout nettoyé la zone, tu peux te promener sans risque. Leave the mine. The mine. Attends, moi j'aimerais y retourner encore un peu. Non, reviens Dayonet, s'il te plaît. Ah non, oui, tu peux peut-être pas. J'ai pas d'énergie. Oui, alors t'as plus d'énergie, mais attends. Est-ce que le wagonnet... Est-ce que tu peux interagir avec le wagonnet? Oui. Attends. Alors demande-lui de te déposer à l'arrêt de bus. Super, merci. Tu vas gagner énormément de temps. Ouais, parce que là, il est 7h et je suis c'est épuisé. Ça. Tiens, bizarre. Mais quand je suis droit, il faut aller. C'est étrange niveau. Ce niveau du guac. Ah, ça va ton retard? Toujours. On t'entend plus ton retard. Passion pêche. Ah non, je pêche. C'est ça. Ah mais la pêche, ça a été ma, la grande passion que j'avais quand j'étais gamin. Oh. Hop. Bassin d'Arcachon. Avec un voisin qui avait un bateau, donc de temps en temps, il m'y amenait, on pêchait. Magnifique. Ah, mais c'était absolument génial. Gigantesque. La pêche. Pendant 3 heures, le temps de marée. Ah, c'est à la plage carrément, moi j'étais sur la Meurthe avec un pote. Non mais c'est bien. Enfin, c'est... on n'était pas au bord, c'était vraiment en plein milieu du bassin. Ouais, ouais, ouais. Bassin d'Arcachon, ok. Énorme, énorme. Maintenant, il y a de moins en moins de poissons. Oh, j'ai un chien avec moi. Oh, ok. C'est Zoe. Un chien. Ouais, ouais, c'est mon chien. Quoi, 21h, tu dors déjà? Ah oui, t'es vraiment claqué de chez claqué. Ouais. T'as même pas eu, je sais pas, voulu manger un morceau et puis... Bah, je sais même pas s'il y a la barre de nourriture, je l'ai pas vue. Ça fait 3 jours que mon perso ne mange pas. Ah, d'accord. Dis-toi que l'énergie égale bouffe. D'accord. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. En fait, j'avais le taco que m'a donné Guy, j'aurais dû te le refiler. T'aurais pu te doper, mais j'y ai pas pensé. Mais moi, j'ai pensé que c'était la nourriture. Et je me suis dit, même pas, j'ai même pas l'occasion des patates, tant pis. Allez, hop, genre. Il est salé que le poisson. Ah, je vais pas prendre de risque, moi aussi. Hop, arrêt de bus, je me barre. La 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 la. Oh merde! J'ai oublié de réamorcer les tonneaux à faire du houblon. Oh merde, c'est con ça. Ah, c'est très con. Perte de rentabilité d'exploitation, ça la fout mal. On est parti miner, hein. Ouais, ouais, je vois les tonneaux inertes. Non, mais il y a une récolte, mais on n'a pas pensé, je pense que c'est moi, qui n'ai pas pensé à relancer à... Oh mon dieu, c'est tournesol. Bon, bah, je suis pas pour aller me coucher, moi. J'ai pas moitié d'énergie, je peux revenir. Non, 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 non. Non, par contre, ton retard, je t'invite à rentrer, fais gaffe, parce que le temps de rentrer de ta pêche, je sais pas où t'es. Si, je suis à la cabane du pêcheur, donc je suis vraiment pas loin. C'est relatif. Ouais. Tiens, qu'est-ce que c'est? En fait, tu l'heure, ça dure 15 secondes ou quoi? J'ai gagné une batte de baseball en métal. Ah ben voilà. Ouais, ça a pas l'air de faire grand effet, je trouve. Mon épée est beaucoup plus... C'est quoi ça? Enchante. Ah ouais, barre de plomb. Incroyablement lourd. Ah ouais, tu m'étonnes. Je rentre. Ah merde, il y avait tout le champ à récolter de tournesol. Ah. Bon, au moins la terre sera irriguée demain matin, même si elle est vierge, avec les arroseurs automatiques, mais Oh my god.
ferais carrément une moissonneuse batteuse en fait. T'as le chron. Ouais. C'est bref. Je disais oui, c'est pertinent ton truc, mais non, bon. En même temps, j'ai un étang sur le terrain. Ça casse un peu le côté, oui, vie cool à la campagne du début du jeu, quoi. C'est ça. Ah. Mais je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Non, non, mais c'est. Il y avait des amis, mais j'aurais. Vous. Non, mais je veux pas tabasser le lit, c'est bon. Oh là, oh là, oh là, oui, il y a eu des trucs qui ont été balancés là. Ouh là 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 là, inspection, autre, c'est quoi? Ah oui! Non! Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? T'as mis à la vente des graines de panais. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est un truc à pas faire. Noob. C'est un noob! C'est pas grave, on les rachètera. Là. Vu le gain qu'on se fait avec en tant que brasseur. C'est oui, pas un souci. Des pertes avec moi. Bah oui, c'est comique. Je croyais que c'était un inventaire. Je croyais que c'était un fourre-tout le truc. Je vais mettre dedans et puis on fait bim. Non mais c'est ma faute. Je voulais pas signifier. Ça me paraît tellement. Ah, c'est ce que j'ai gagné, que les graines de panais. Oui, c'est ce que j'ai gagné au début. Ouais. Ah oui, ça y est, je vois ce que c'est. Oui, d'accord. Effectivement. C'est pas grave. Ah. Excellent. Lui gratuit, mais je l'ai jeté quoi. Le mec, on lui fait un cadeau en or et il dit oh, c'est pas grave. Ah, mon dieu. Ah, ouais. Nuageux et vent de main, magnifique. Ah, certains fermiers ont signalé que des choses étranges se produisent lorsqu'on a des grands champs de chou-fleurs, de melons ou de citrouilles, lorsqu'ils arrivent à maturité. Mais je peux pas vérifier moi-même. C'est intéressant, j'ai planté beaucoup de citrouilles. Non, oh, le chien qui me bloque le passage. Alors, on a énormément, je dis bien, on a énormément de graines de tournesol à replanter. J'en ai 97 sur moi. Alors. Ah. Attendez voir. Ouais. Oh la vache. Et encore, les vaches vont venir plus tard parce que j'ai pas encore fait dans l'élevage. Mais je vous rappelle qu'on peut faire des élevages d'animaux. Dont les vaches. Voilà, bon, au moins j'ai rattrapé la bourde d'hier. On aura juste un jour de décalage. Merde, comment je fais pour virer le. Ah, je suis obligé de faire comme ça. Oh la vache, c'est cruel. C'est cruel. Ça, je plante. Je plante tout ça. Allez. Oh, quelque chose me dit que j'en aurais pas assez. Si, le compte est bon. Ouf, tout juste. Bon bah ça correspond à. Oui, ne jetez rien, je vois que t'as récupéré des nets cassées. Alors le recycleur d'objets déchets, tout ce qui est lunettes cassées, les journaux chiffonnés, les poubelles, le bois mort, tous ces trucs là, vous le mettez dans la machine qui est juste à côté justement. Du bac d'expédition dont on peut soulever le couvercle et qui fait deux cases de long. À côté, il y a juste une machine étrange marron. C'est ça le recycleur. D'accord. Il va vous transformer un déchet en quelque chose de viable. De manière hasardeuse. Mais c'est un recycleur. Voilà. C'est extra. Voilà, tiens, à côté, c'est ça. C'est la machine là. Tu prends dans tes mains le déchet et tu lui apportes, tu fais un clic dessus et tu transformes. Alors c'est pas instantané, il hein, y a un process de cuisson. Je mets le cuivre. Non, du cuivre est pas un déchet, le cuivre est une matière première. Mais où est-ce que je le mets? Ah, là où je suis, regarde, le coffre noir, s'il te plaît. Merci Nayane. Ouais, c'est bon. T'es un chef, bien joué. Ouais. Moi je vais faire un jeu de fer, notamment. Alors ça, je range ici, justement. Je te vois un truc. Pour récupérer les 15 graines de panais, je m'en vais, puis je reviens. Je crains de vous, perso, et je reviens. Oh, l'autre. Mais non, c'est inutile. Okay, non, mais c'est idiot, parce que tu réinitialiserais ton expérience. Tu sais, les scénettes, en plus, tu vas tout te recoltiner, donc c'est contre-productif, tu vois. Oui. C'est vraiment ce qu'on appellerait une fausse bonne idée. Mais je comprends la farce. FBI. Fausse bonne idée.
Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Putain, j'ai des outils, je m'en sers même pas. Machine à coudre, j'ai pas de laine. J'ai un four à charbon, je l'ai rangé. Ouais. Pour revenir aux objets qui ne servent à rien, qui sont détruits, cassés ou déchirés, quand tu, plus tu en as, plus tu en mets, plus l'objet que tu récupéreras après sera intéressant. Non, c'est vraiment que du hasard. C'est que du hasard, c'est pas cumulatif. C'est-à-dire d'accord. Que tu peux faire un déchet à la fois, tu peux pas les cumuler dans la machine. Dès que tu mets le déchet dans la machine, elle va se mettre à s'animer, à bouger. Mmh. Et au bout d'un certain délai, alors je crois que ça dépend de la qualité, enfin la qualité, ça dépend du déchet. En général, je crois que les lunettes cassées recyclées te donnent un petit lingot de fer compacté, là, lingot de fer. Un journal des trempés, ça va te donner de la sève, par exemple. D'accord. Tout est bon à prendre, vraiment tout, rien ne se jette. J'ai pensé à un truc. Le jeu, il a l'air assez une ville, tout ça, de la campagne, tout ça. Est-ce qu'il y a un mode GTA, parce qu'ils ont pris en compte le mode GTA, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rouler dans une voiture, rouler partout, sur les trottoirs, tout ça, et surtout écraser des gens ou tuer des gens? Non, recoucou Vincent, non. Stardew Valley c'est fleurbeux, c'est pacifiste, encore que dans les propos parfois c'est trash. Encore que non, c'est pas trash, c'est... Enfin bref. Alors, chose que j'ai jamais faite, que j'ai jamais essayé dans Stardew Valley, on peut acheter une étable et avoir des chevaux et se déplacer à cheval. Je n'ai jamais fait ça. On peut essayer de le faire, mais il faut acquérir ce qu'il faut pour faire l'étable et on l'a pas encore. Par exemple, là, il manque 25 bois durs. J'en ai que 75, il en faut 100 pour faire une étable pour les chevaux. Et oui, attends, je vais me remettre dos droit, t'as raison, parce que je suis en train de m'avachir sur mon siège. Et puis je vais remettre mes chaussettes aussi, c'est pour ça que j'ai terminé tout à l'heure, je suis pieds nus. Lui empêche de passer le bonhomme. Ah, il veut passer. Mais non, il n'y a pas. Tu peux pas. Alors, tu peux pas prendre de bagnole, par contre, t'as remarqué qu'à un moment il y a un bus. Le bus est en panne. Oui. Le bus, oui. On peut le réparer avec du fric. On le fera pas maintenant. Mais oui. Une fois qu'on a réparé le bus, effectivement, on va déverrouiller des nouvelles zones à explorer hors du village. Mais d'accord. C'est pas pour maintenant. Ça viendra, mais c'est pas pour maintenant. C'est pas la priorité. Là, on continue vraiment à faire qu'on appelle ça de la rentabilité de la ferme à outrance. Là, on essaye d'exploiter à donf notre terrain. Pour se faire de la thune et encore de la thune. Voilà. D'accord. Et puis il va arriver l'hiver. L'hiver, tant que t'as pas la serre, tu peux pas faire de récolte normalement en hiver. Donc tu fais tout le reste. Tu fais la pêche, tu fais la chasse. Bon, il n'y a pas de cueillette en hiver malheureusement. Encore que, juste les petits trucs à droite à gauche que tu trouves parfois. Comme les crocus. La mine, surtout en hiver, tu pars miner. C'est tout l'intérêt de l'hiver. Ouais. La mine d'hiver, ok. Ah ben oui, c'est sûr que en hiver, ça mine le monde. Exactement. Voilà. Très bien. Ça c'est fait. Je valide. Il y a un gosse qui va explorer les égouts. Ils sont fous ces gamins. Ah oui, bon, c'est la jeunesse. J'ai trop de trucs sur moi, j'arrive plus à suivre. Mais vraiment. J'ai trop de trucs sur moi. Ah oui. J'ai trop des récoltes. Le grain de café, ouais, c'est pour le printemps. Le café, printemps. Ça, c'est un truc de l'hiver parce que j'étais dans le niveau de glace dans la grotte. Je fais ça. C'est un chien dans les égouts. Qui que quoi, les égouts? Il y a un égout, il y a un bidule. Ouais, mais je crois qu'on n'y a pas accès. Qu'est-ce que j'entends?
Bah j'ai sauté. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, pardon, je parlais de la réalité là. J'ai entendu un bruit bizarre. Peut-être que mes voisins étaient sortis, ils rentrent dans le garage. Je sais pas, ils font un vacarme. Et tu en fais quoi après du quartz raffiné? Tu le ranges dans le coffre noir près de la fonderie, s'il te plaît. Le quartz raffiné est extrêmement précieux pour des machines, des trucs complexes. Ah! Ouais. Le quartz raffiné sert. Bah, je crois que si j'ai pas de bêtises, par exemple, le quartz raffiné, tu t'en sers pour faire justement des paratonnerres. D'accord. Eh bien, plus on fera de paratonnerres, plus on fera de piles, et plus on a de piles, plus on les revendra. Et on tu te feras. On peut le voir comme ça, on pourrait se spécialiser dans les piles, oui. Moi, je mets juste des paratonnerres auprès des arbres fruitiers parce que je voudrais pas les perdre à cause de la foudre. Bien la sûr. Perte serait énorme, mais en dehors de ça, oui, tu peux t'amuser à en mettre un peu partout. Et alors, n'oublie pas que moi, je me suis fait avoir psychologiquement, je me suis mis une barrière psychologique en jouant. Or, au tout début, je me persuadais que je ne pouvais qu'interagir et mettre des dispositifs que dans mon terrain. C'est faux. T'as vu que par exemple j'ai mis mes confitures à se faire au niveau de la carrière. Oui, tu peux tout à fait, imposer oui. des choses dans le village. Par exemple, les ruches, moi j'ai pris l'habitude d'en mettre un peu partout dans le village. Pas que chez moi, sur mon terrain. D'accord. Mais retourne à la carrière, voilà, il y a des confitures qui sont prêtes, il faut que j'en parle pour que j'y pense. Tac, je vais faire des confitures, c'est reparti. Alors après, c'est vrai que j'ai pas le niveau encore. Pour mais pour faire pour créer crafter le paratonnerre comme le jeu débute tout juste, il me faut le niveau de craftage. Oui, ça viendra ouais, avec l'expérience, tu vas débrouiller des recettes. Au pire, je pourrais le faire pour toi, mais là j'en fais pas une priorité. Attends, c'est bon, j'ai vu trois esticots se battre en duel et qu'il y a un truc à déterrer. Voilà, vas-y, Goto se battre en duel. Non, c'est pas joueur contre joueur. Non, je l'avais déjà eu ça. Mais d'ailleurs, je m'en moque tellement que je le revends. Et à mon avis, ça va jouer une misère pour ce truc. Ouais, il y a la note secrète. Je vais garder les gelées pour séduire les villageois. Je vais pas mettre en vente. J'aurai un meilleur gain en les offrant en cadeau. Merdoum, la graine de café, j'aurais dû le mettre dans le coffre de printemps, puisque c'est une graine à planter au printemps. Je n'ai plus de place dans mon coffre de printemps, je l'ai donc dans le cul Lulu. Ah! Du printemps! Oui, moi aussi, le cul Lulu fleuri, tu connais! Ah, mon dieu, nous disons des choses. L'éperon rouillé aussi, j'aurais pu le mettre à la vente. Allez, on y retourne. Là, pour le coup, j'ai envie de dire débarrassons-nous des choses inutiles. Tac. Coffre de la mer, j'ai une algue. Je vais me débarrasser de cette algue, je n'en peux plus. Voilà, on a refait du tri. Pas mal. Bon, allez, je m'arrête là pour la journée. Qu'est-ce que je vois en bas? J'ai vu un truc blanc en bas. Ah, c'était toi! Oh mon dieu, tu te fais patater par une chaussure de Milo. Voilà. Ça va. Pas mal du tout. Ouf, c'est bien, moi je peux souffler un coup. Je vais honteusement, parce que je l'ai pas savouré hier, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu Bibi hier, exceptionnellement. Je vais savourer ma mousse maintenant. Boah. Ma mousse du dimanche soir, merde. Et ma taille, elle est vite.
Elle est là. Exactement. C'est ça. Et coucou une scène. Ah, magnifique. Ah bien, la bière qui retombe dans le truc à bière. Santé. Oh, comme on dit, ça fait du bien par où ça passe. Joie. Excusez-moi, je zappe, je suis là, je suis là. Oh, l'outil préhistorique. Non, il n'y a pas que ça. Ne pas déformer ce qui vient d'être dit. Oui, ça fait du bien là où ça passe. C'est vrai, je vous l'accorde. Alors, le popotin fleuri te dit. C'est popotin la suite. Popotin fleuri. Il va te dire que du vent. Voilà, comme c'est ça tout est fait. Poil. Le popotin fleuri. Oh mince. Aïe aïe aïe. Bon, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous laisser, messieurs. Merci pour cette expérience avec Stardew Valley que j'ai remis dedans. Et à bientôt pour de prochaines aventures dans ce jeu. Ouais, j'ai des choses à faire et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Toi aussi. Merci, et... Lyonnais. À plus, Zoubi. À plus, salut. À plus. C'était cool, merci tout plein. Bonjour, Cocosy. Salut, Cocosy. La Cocosy qui est avec nous, c'est cool. Ah, sacré Lyonnais. Ah, c'est bien. Je suis content qu'il soit venu partager l'expérience de jeu. C'est bien. Plus on est de fou, plus on rit, comme on dit. Exactement. Alors, Limoumous. Houblon, allez, zou. À nous la richesse. D'ailleurs, il faut que je révise la recette des tonneaux. Parce que de l'intérêt d'en faire à outrance et gagner encore plus de fric. Ah, c'est pour ça là je vais essayer de monter déjà mon niveau de pêche assez haut. Oh, tu vas sûrement dépasser. Après le craft cuivre, fer, de chêne. Une fois que j'aurai au moins pêche et craft, je pense que je vais pouvoir te rendre un peu plus riche que riche. Shit, tant mieux, bon. Je m'en réjouis d'avance. Ah, on a peu de cuivre. Ah bah je vais aller à la mine patatée du truc de cuivre. Ouais. Je vais filer à la mine. Non, je vais garder le bois. Oh. Ouais, ça me va. Ah, oh, j'ai oublié de donner de l'eau, la gamelle du chien. Merde, il est où mon arrosoir? Si je fais pas le pauvre chien, il va crever de soif. Au moins que je fasse la gamelle du chien. Après, il y a les plantations là, mais bof. Ouais, allez, au moins je les aurais faites. Allez-y. Me remplir avec de l'eau tant que je suis proche de la flotte. J'espère que tu vas bien, Cocosy, que t'as passé un bon week-end. Merci à toi de passer faire un coucou. C'est toujours apprécié. Alors, vous remarquerez que je loupe honteusement les événements du calendrier. Je regarde pas s'il y a une fête, un anniversaire, je sais pas quoi. J'ai dit qu'il me fallait du cuivre. Du cuivre, il y en a beaucoup en niveau 35. Ah merde, c'est l'échelle de... Mais attends, j'ai pas un bijou d'éclairage? Ah merde. Ah merdoum, j'y vois rien. J'ai pas la recette du bijou lumière. Émet une lumière constante. Ah, c'est ça qu'il me faut. 5 de fer, 5 essences solaires. Merdoum. Alors attends, je vais faire d'autres sous-bassements là. Et il faudra que je me fasse pour la journée suivante un anneau de lumière. Parce que j'y vois que puits dans les galeries sombres. Voilà.
quelque chose d'intéressant ou pas? Ah, il y a un peu de minerai. Oui, voilà, là j'ai un peu d'argent. De fer argent. Oh là, mon dieu, j'ai atteint l'objectif. Ah, les chauves-souris, d'accord. Ah, j'ai fait un quota pour les chauves-souris. Intéressant comme message. Alors, avec les... Oui, oui, vas-y. C'est intéressant de faire en multi, parce qu'en solo, j'ai pas l'info. Faut que j'aille la chercher dans les menus. Alors qu'en multi, t'as le bandeau d'information en bas écrit en jaune sur noir qui te dit vous avez réussi tel objectif, ce qui est beaucoup plus agréable. Ah. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait en solo. Parce que vraiment en solo, c'est à toi d'aller chercher l'info dans les menus. Ce qui est un peu cucu la praline. Tu voulais dire, Torota? Oui, les journaux, ça donne des torches. Ça me va très bien. Merci pour l'info, c'est cool. Oula, le fantôme. Il a failli me tomber dessus, j'ai vu. Un journal, c'est trois torches. Yeah. Ah, le fantôme, ah oui, effectivement. Le hanteur. Yeah. La. Ah. Donne du charbon, les machins là. Les pois sauteurs crasseux là. Je sais plus comment on les appelle. C'est du charbon vivant ça. Bah. J'ai pas de bombinette. Ah, dommage. Dommage. Ah, il y a du monde là-bas. Il y a du monde là-bas que j'avais pas vu. Oula. Ah! Je suis flippé, Lily. Oulala, il y a beaucoup de trucs à casser. Merde, où est l'échelle pour se barrer au sous-sol inférieur? Ça peut pas être les gros rochers qui donnent 10 cailloux. Donc je vais pas m'acharner dessus. Ah bah là. Ah, fantôme. Fais-moi peur. Ouf. Je crois que c'est plus lui qui a plus peur de moi que l'inverse. Eh oui, je suis à un haut niveau, c'est encore une autre secrète. Ah, une bombe! Ah! De l'utilité de la bombe. Observez par vous-même. Hop là, déblaiement instantané. Nickel. Chrome. Il n'y a plus qu'à récolter derrière. Ça me va très bien. Ouais, il n'y avait pas de minerai ailleurs. Ah, je me barre. Vite, faut pas que je zappe l'heure dans la journée de Stardew Valley parce que c'est un coup à se faire avoir comme un bleu. La chauve-souris, elle va bien me débriser si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, je l'ai eu, reste le fantôme. Merde. Boum. Génial. La fantôme, pas de l'opéra. Ben. Ah merde. Je sens que je vais croquer le taco que m'a offert Guy en début de semaine. Ah, je peux me barrer à l'autre sous-sol. Mais est-ce qu'il y a des trucs à récolter ou pas? Oh oui, il y a un truc en plancher en bois. Oh, il n'y a rien. Oh, généralement, les planchers en bois, il y a plein de matos et là, il n'y a que de puits. Je suis déception. Il va y avoir que je croque le tacos de poisson de Guy. Ça va me refaire. Oh, complètement. Oh, pour. Ah oui, et puis c'est vrai, au poisson, j'ai un bonus pêche. Merde, c'est à toi que j'aurais dû donner le truc. Dommage. Oh, je parle, t'inquiète pas. C'est pas perdu, mais disons que c'est mal optimisé. Vous voyez les échelles? J'ai buté un groupe d'ennemis qui génère les échelles quand on les zigouille en récompense. Bah voilà. J'ai plein d'échelles partout au choix. Allez, je continue encore un peu.
Il n'y a pas de minerai d'argent là-dedans. Ah, là, mais par contre, il y a des squelettes. C'est embêtant. Ça veut dire que j'ai fait mon quota d'ennemis dans le niveau. Dès qu'il y a un ennemi qui se transforme en échelle, ça se produit en boucle, c'est bon. C'est que, on est vraiment invité à sortir. Oh, j'ai gagné une épée en os, tiens. On va peut-être récupérer une épée en os. Ouais, ouais. Ah, oh. Une deuxième épée en os. Décidément, c'est le niveau des épées en os. Troisième. Non, là, je peux plus. J'ai plus d'ennemis, donc je peux plus l'avoir. Mais il y aurait un autre squelette, à mon avis. On y avait droit. Non, là, c'est plus intéressant. Je me barre et je vais rentrer. Mais je crois que j'ai pas mal de minerais. Hein. Oh, bof. Non, je suis plutôt déçu. J'ai 17 minerais de fer argent. Franchement, j'aurais aimé en avoir davantage, mais... Ah... Je sais plus, j'ai eu une note secrète, moi. Mais non, j'ai eu... Ah non, c'était tout à l'heure, en première semaine, j'ai eu les goûts d'Abigail. Mais j'ai pas lu une autre note secrète et j'en lis une par semaine. Alors, de la main de Penny, je voudrais donner à chacun ce qu'il aime. Ah bah là aussi, on découvre les préférences de chacun. Alors, la maman de Penny, je crois que c'est Pam, celle qui vit dans la caravane. Il y a panade douce et pas de bière, et oui, c'est l'alcoolo. Patate douce glacée, Jazz, la fille, aime le rosier, le pudding aux prunes. Vincent, le gamin, aime les gâteaux aux roses et le raisin. Ah, le gamin aime bien le raisin. Tiens, tiens. Les aînés. Monsieur Mulner aime le poireau et les champignons frits. Et Mamie Mulner aime bien les betteraves et les tulipes. Ouais, ça va. C'est cool, Cocosi. Ravi de le lire. Ah, alors que je me fais agresser par les chauves-souris. 22h40. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Donc, je disais, objectif tonneau. Oui, alors, il me faut du cuivre et du fer, et je manque de cuivre, mais avant, il fallait que je fasse un anneau de lumière, parce que j'y vois rien du tout. Alors, il me faut 5 lingots de fer et 5 trucs d'essence. Ah, merde. Il va falloir que je me fasse mes lingots. Pour ce qui est du reste, ça peut s'arranger. Waouh, le bordel. Je vais essayer de ranger pas mal de trucs. Ouais, donc ça, je m'en moque un peu, du coup. Ah bah. Très bien. Merde, déjà minuit. Ah bah, je le ferai le lendemain matin, mon anneau de... Hop, je suis siroté ma mousse. Oh! Oh! La ferme paradis a gagné un quart de million de dollars. Enfin, de pièces d'or. Bien joué. Bravo à tout le monde. Succès collectif, puisque vous m'avez rejoint. Bravo, bravo! Waouh! Marteau hardy, gagné un quart de million de pièces d'or. C'est la route du succès. Un homard frais pour une merveilleuse bisque que je prépare. Gus, propriétaire du salon Fruits Étoilés. Ouais, c'est une sacrée quête, un homard. Alors les homards, je crois pas que tu les aies à la pêche classique. Il faut avoir un panier à crabes. Un panier à crabes dans lequel tu mets un appât dedans et t'attends le lendemain voir ce que t'as récupéré durant la nuit. Et c'est au bonheur la chance.
D'accord. Ouais. C'est pas la pêche à la ligne. Recherchant Omar Frey. Oui, bah voilà. C'est ça, 800 pièces d'or. Ok. Est-ce que je peux faire des paniers? Je crois pas. Parce que la pêche, moi, c'est pas mon point fort. Je crois pas que j'ai la recette du panier à crabe. Ah si, je l'ai. Je sais pas. Ah ouais? Si, je l'ai. Le problème, c'est si que ça tu veux, prendre... je vais. Ouais. Si tu veux, je te le fais, moi. Alors la attends, pêche. les ressources. Alors pas tout de suite, Torota. Parce que j'ai besoin en priorité d'un anneau luisant. Que je vais me faire. Un anneau luisant, d'accord. Oui, je veux faire des. Paleries. Des. Merde. Parlez français, calmement. Je veux explorer dans la mine des sous-sols qui ne sont pas éclairés. J'ai donc besoin d'un anneau luisant afin de pouvoir errer dans les couloirs dangereux de blablabla. Voilà. D'accord. Voilà. C'est tout à fait compréhensif. J'ai compris ce que tu as dit. Les prochains minerais seront voilà, pour ton panier à crabes. T'inquiète pas. Déjà, tu peux te saisir le coffre bleu, pas. Normalement. Le coffre bleu, il y a des... Ah non, il n'y en a pas. Merde, je crois qu'il y avait des appâts dans le coffre bleu. Bah, ils sont où, les appâts de pêche? Bah, merde. Je suis censé en avoir. Bah! Alors, au pire, je crois que je peux en faire à partir de la chair des... Ah, j'en ai là! Ouais, il y a 7, ça va pas aller loin. Tu vas nourrir 7 fois le panier à crabe pour 7 jours. Il faudra que je refasse des appâts ou que j'en achète. Attends, j'ai combien de viande d'insectes? Ouais. Attends, vas-y voir que je te fasse des appâts classiques. Voilà. Ouais, je vais en faire une tripotée parce que. Voilà, c'est beaucoup mieux. Au moins dans le coffre bleu, le bleu c'est la mer, hein, les eaux, la pêche, voilà, je t'ai fait 150 appâts. Au moins t'es tranquille. Ça va t'occuper pendant un bon bout de temps. Je sens que je vais abattre cet arbre, parce qu'en fait on ne le fait pas saigner, il cache la vue. Donc je vais l'abattre, je vais prendre la hache et cuic, on n'en parlera plus. Mais c'est bizarre, parce que t'as des appâts pour Omar, mais t'as des appâts pour pêche aussi, ou... Pour la canne à pêche, alors, juste que pour les deux, mon capitaine. D'accord. Le problème, c'est que l'appât pour la canne à pêche, il faut que tu aies une canne à pêche supérieure que tu aies acheté ou gagné, qui ait une case d'emplacement de libre. Crois que Olive Kitu m'avait expliqué qu'il y a des cannes à pêche, je crois que tu peux avoir jusqu'à 3 emplacements. Donc tu peux cumuler des hameçons spéciaux et le bonus appât pour avoir des gros poissons ou en pêcher plusieurs en une seule fois. Un truc comme ça. Il y a des combinaisons à faire en pêche. Et puis toujours dans cet art ancestral, si tu attends longtemps, toi aussi tu peux finir par poser ta pêche. Avec Jaffas, pardon. Cette mauvaise vanne me brûlait les lèvres. Excellent. La 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 la. Voilà, je suis content de ma bêtise. Tout va bien. Ouais. Je me suis déconcentré. Oh. C'est quoi ça? Ah. Bizarre. On a dit c'est bizarre quoi. Parce que... Oui. Là où je pêche... Il y a des bulles. Ah, ça veut dire que c'est fertile en poisson. Il faut lancer ton flotteur là concombre où il y a le... Concombre de mer. Ouais. Excellent, concombre de mer. Ça veut dire que tu vas avoir une prise très rapide et qu'il y a de la vie si tu vois des bulles qui remontent en surface. Ouais, excellent. On va dire que c'est un coin fertile en une certaine manière. D'accord. Riche en ressources. Je vais essayer de faire le mur de cuivre aussi. Putain, j'aurais passé toute la matinée à faire l'exploitation de la ferme.
La folie. Alors, tu voulais un panier de crabe, que je t'en fasse un. Donc, je crois que j'ai ce qu'il faut. Ah, il me manque le bois. J'ai pas assez de bois, faut que j'aille en chercher dans le coffre. Ou je rabatte un arbre. Je sens que je vais plutôt rabattre un arbre. Vu ce qu'il faut faire en entretien. C'est vrai qu'il y a des épées d'os, il faut que je m'en débarrasse, elles m'encombrent. J'en ai de ces choses, moi, sur moi. Oh là là, j'ai me garder du bon alors que j'aurais pas dû. De nouveaux records sur la longueur des poissons. Excellent. Oui, il y a des records aussi ouais, là-dessus, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, là, je fais de la bière en bonus. Un petit jeu tranquille, c'est excellent. Ouais, c'est là où je dis toujours qu'on reconnaît les grands jeux. C'est quand t'as des petits jeux dans le jeu. En général, exactement. C'est... Ouais. Tu peux pas te tromper, c'est que il y a une grande qualité dans l'œuvre. Alors voilà, je te mets un panier à crabe. Oh, il y en avait déjà un de panier à crabe. Ah, c'est parce que tu sais pas les identifier, en fait. Voilà pourquoi. Ouais, il faudrait que tu me rejoignes tout à l'heure, que je t'explique un truc. Oh, c'est... J'ai le dos qui commence à fatiguer. Oh. À force d'appuyer pour la pêche, donc du coup... Eh bien... C'était bon. Enfin, qu'est-ce que je fais? J'allais voir le sorcier pour encore le séduire et avoir des avantages. Oh. Est-ce que j'ai le temps d'aller à la mine? Oui. Ah non, 16h, c'est un peu tard. Il voulait quoi? Il voulait... Ah oui, non, il veut sa bisque de homard. Oui. Mais attends, mais j'ai pas déjà un homard sur moi? Enfin, en ma possession, je veux dire. Ah, mais je sais pas. Attends, je vérifie. Non, c'est pas... Ah, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots avec. J'avais des appâts aussi. Bon, bah c'est pas perdu, je préfère en avoir à deux endroits. Oui, tu m'étonnes. Ah, j'ai du crabe. J'ai deux crabes, mais pas de homard, non. Oh! Qu'est-ce qui t'arrive? Le serveur a fermé la connexion. Bah. Pas normal. N'hésite pas à me rejoindre. Je rejoins. Bah, c'est bon. Tu m'étonnes. Non. Alors, du coup, je vais te laisser le concombre des mers parce que je sais pas du tout où. Oui, bah, ça peut se ranger dans la cuisine. Hein. J'en fais du sashimi, moi, du concombre de mer. Ah, bon, j'ai envie de faire un truc. Je vais me le garder. Oui, essaye. Bien sûr. On va faire ça. Expérimente par toi-même. J'ai envie de te répondre, c'est la meilleure façon d'apprendre. Parce que oui, quand tu utilises des poissons dorés ou argent, c'est la qualité du repas qui va être meilleure. Potentiellement, j'en suis pas certain, mais je serais tenté de te donner raison. D'accord. Par contre, quand t'as une quête dans le village qui te demande d'avoir des mets de qualité, ça va au-delà du bronze, argent et or. Il faut l'étoile mauve. L'étoile mauve, là, c'est la qualité suprême. C'est très rare d'en avoir. Mais quand tu l'as, généralement, c'est ce que te demandent évidemment les bobos que sont les villageois du patelin. Ils te demandent évidemment le meilleur. Quand tu te demandes un truc de qualité, il faut avoir l'étoile mauve. D'accord. Et toi, là, j'en ai un sur mon écran, tu vois, le flétan. Il est qualité ultime. Il a l'étoile mauve. Ah oui. Et c'est rare de l'avoir, l'étoile là. Moi, je garde du coup tout ce qui est en étoile mauve. Je le garde pour qu'un villageois me demande en quête. Et en général, ça déverrouille un gros truc.
Parce que la récompense est méritée. D'accord. Je t'entends débiter un arbre à la hache. Si tu regardes mon écran, tu vois des cages rouges. C'est les paniers à crabes. Il y en a deux là qui flottent. Oui, oui, je vois très très bien. Je les ai chargés avec des appâts. Donc demain matin, il y aura des trucs dedans. Alors ça peut être un être vivant comme ça peut être une cochonnerie de déchets. C'est au hasard. C'est au hasard. D'accord. Attends, je vais te donner quelque chose puisque je viens de récupérer ça. Alors, attends. Le cheveu pourri, voilà. Je sais pas où. Je vais devant chez toi. Ah, carrément. Pourquoi je t'ai pas vu? Ah, pardon. Hop là. Oui, attends, je vais juste alors, sortir ça. Voilà. Merci pour les grenades. Là. Comme c'était ton arbre fruitier, du coup. Merci, bien joué. Je vais te rendre un chef. Mickey. Quelle heure il est 22h10. Alors, le houblon. Voilà. Attends, je vais faire en sorte de garder du bon régulièrement sur moi, histoire de pouvoir réarmer joyeusement. Donc, les tonneaux, cuivre, fer, la résine, je l'aime, mais c'est le cuivre, fer qui fait défaut. Il va y avoir de l'orage. Demain ? Magnifique. Le tonnerre et les éclairs vont être au rendez-vous. Magnifique, ça me va très bien. Nickel. Donc moi je vais aller à la mine faire le plein de cuivre. Il me faut énormément de cuivre. Sans quoi je peux pas faire de fabrication. Ah cool. Ah bah voilà. Alors que j'en ai fait plus d'une centaine, mais c'est bien que tu puisses être indépendant là-dessus. Pêche niveau 2, donc c'est bon. Bien joué. Let's go. Non, le chien. J'aime pas quand ton animal de compagnie te bloque le passage. Alors, allez, je vais. Ouais. Alors, les appâts, tu les as mis. Coffre bleu de la mer. Coffre bleu. Ouais, devant l'arbre. C'est les petits trucs roses. Ah, oui. Je crois que t'as. Ou alors, si c'est pas un homard, c'est un écrevisse. Ah. Je te laisse gérer les paniers à crabes. Alors, que je. Merde, il faut la foutre. Ah oui. Dessous. Ah, il y en a deux. Ah, ben, voilà. Bien joué. Ah, les chanterelles, ça donne plein d'énergie, c'est bon ça quand tu démarres. Hop. Mince. Oula, oui, t'as été violent là, j'ai entendu des bruits de lutte. Hop. Wow. Et du coup, je vais. Le homard, je te le mets dans le truc bleu aussi de la mer. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est ça. C'est la récolte des aubergines, d'après. Hop, du coup, moi, ce que je te proposerais. Quand tu auras le temps, bon, pas de suite. Mais je sais pas, je peux pas me les crafter pour l'instant, mais effectivement faire les panières à homard. Je vais les mettre au port. Ah oui, ou sur la plage, oui tu peux bien sûr. Comme tu pourrais le mettre aussi dans un étang dans la montagne, ça peut varier, c'est intéressant. Ouais. Ouais, mais après j'ai pris les appâts, mais avec ma canne à pêche ça marchera pas. Donc, parce que t'as pas la bonne canne à pêche, il faut que t'achètes un modèle. Et voilà. Et oui, qui a un emplacement au moins, si c'est pas deux. Mon cerveau me dit d'aller à la mine.
Est-ce que même s'il y a la pluie, non, la gamme est remplie. Je veux pas aller à la mine avec l'arrosoir, c'est débile. Oh, on sait jamais si tu peux faire pousser. Alors oui, alors ça aussi, je voulais voir avec toi. Puisque tu vas à la mine, normalement, tu pourrais faire pousser des champignons. Alors, j'ai jamais su comment on faisait. Heureusement que j'ai les bacs qui m'ont été installés par Démétrius dans la grotte. Ouais. Mais en dehors de ça, je sais pas, je crois pas que ça se fasse la culture de champignons. Parce que si c'est faisable, ça serait le jackpot. Mmh. Parce que là, tu te prends un étage entier, rien que pour toi, et puis... Ouais. Non, ce que je peux faire de bien, c'est que j'en prends un de chaque. Si j'ai pas de bêtises, même la Mori, je crois. Et je peux faire la recette, je crois, de l'élixir de vie. Qui est un truc surpuissant. Regarde, c'est le truc rose. Tu vois ? Restaure la santé au maximum. D'accord. Tu mélanges ces 4 champignons. Tu obtiens un élixir de vie. Donc je m'en fais un, là, pour le coup, symboliquement. C'est complètement craqué. Mais c'est sympa. J'ai trop de trucs, je vais pas m'en sortir. J'ai trop de trucs. Ah, j'ai des cadeaux pour les villageois, c'est. Oh, le boxon. Non, là je vais déposer les houblons. Faut que j'arrête mon abus d'inventaire. Ouh. Et j'ai une pêche et j'ai eu quartz de feu. Je sais pas ce que c'est. C'est une pierre quartz de feu, je sais pas. Football. Ah oui, c'est une mais garde-la, oui, elle est précieuse, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Je garde-la. Je sais plus à quoi. Ah, j'en ai eu deux. Ouais, c'est bien, excellent. Bravo, bravo, bonne pioche. Qu'à te le dire. Ah là, je vois beaucoup mieux dans les cavités sombres. Merci la bague lumineuse. Alors, moi, je veux du cuivre dans ces endroits étranges et sombres. Sauf que je trouve que là, j'ai que puic. Ah, alors... Bah merde, il n'y a pas beaucoup de filons de... C'est frustrant. Il est où, mon cuivre? Je suis censé avoir plein de... Voilà, merci. Ah merde, vague d'ennemis. J'ai le brouillard dangereux. Ça y est, tout le monde va me tomber dessus. C'est la guerre, mon colonel. Moi, je suis pas sûr d'avoir le... Tout ce qui me voudrait... Ah, j'ai gagné une bombe, génial. Ah ouais, non, mais là, c'est la misère, laisse tomber. Ouais, je pêche que du poisson en or, c'est ouf. Bah bravo. Bravo, bravo. Allez, boum. Oh, oh, comment que j'ai remué la terre avec la bombe. J'ai tracé un T involontaire. Excellent. Oh la violence. Surpopulation aquatique. Pour des raisons inconnues, la population des albacores est en surpopulation. J'ai besoin d'un pêcheur local pour aider à réduire leur nombre. Eh bah, fais-toi plaisir. Ah, mais attends, il reste plus qu'un jour. Ouais. Non, mais je prendrai pas. Eh oui. En fait, alors tu vois, devant le panneau des quêtes hebdomadaires, il y a les quêtes journalières et les quêtes hebdomadaires. Les quêtes journalières sont devant le mur d'entrée de l'épicerie de Pierre sur la place publique. Et là, tu as trouvé le panneau des quêtes hebdomadaires qu'il faut aller voir dès le lundi pour essayer de tenter un gros objectif et d'avoir un beau cadeau. D'accord. Ouais, ouais. Logique de jeu extra. Extraordinaire. Ah. Chapeau. Ah, mais demain... Ouais. Ah oui, mais non, mais je dis demain. Demain. Bah oui, c'est le lundi, normalement. C'est une autre semaine de jeu. Et ouais. Bah,
Qu'est-ce que t'as prévu de ta soirée, Toretta? Là, ce soir? Oui. C'est pas un pas grand-chose. Parce que moi, je suis prêt à te proposer après le tableau mystère. Ça, et moi, j'ai pas très faim. Je sais pas si tu dois dîner. Ou peut-être que tu dîneras pendant mon tableau mystère. J'ai pas très faim non plus, pour être très honnête. Comme j'ai grignoté mes croissants tout à l'heure, moi, ça va, ça me cale. Et puis, j'aurai des restes à manger vers 22h. Moi, je veux bien enchaîner encore une semaine, exceptionnellement. Et on va avoir un troisième épisode de Stardew Valley. Tellement qu'on aime ce jeu. Et puis voilà. Et puis on va faire du non-stop toute la journée. Non, pas du tout non plus, mais... Non, mais c'est bien. Tant qu'on a la possibilité de s'éclater, il faut en profiter. Non, puis ça va, j'ai plutôt un agenda allégé demain, ce qui m'arrange pour beaucoup de choses. Parce que j'ai quelques tâches ménagères en retard. J'ai de l'informatique, mais de la gestion bête de postes à faire, comme des mises à jour, de logiciels ou autre. Donc, d'accord. Ouais, je vais pouvoir travailler babacou là, demain. Pour tout vous avouer, d'ailleurs, mon premier rendez-vous est mardi, moi, donc tranquille. Tranquille et tranquille, on sent que c'est les vacances. Les vacances et scolaires. Vache, j'en pète des cailloux avant de trouver l'échelle de sortie. Ah bah non, elle est là l'échelle, merde. Bah je vais y aller. Parce que là j'ai pas beaucoup de minerais de cuivre, je suis déçu. Je veux du cuivre. Ah ouais non, là, c'est la pauvreté là, laisse tomber. Oh, un poisson violet, dis donc. Un poisson violet, je sais pas ce que ça peut être. Et, un poisson, mais l'étoile est violette. Ah, de qualité ultime. Waouh. Ouais. Excellent. Bravo, bravo. Bah, t'as trouvé ta vocation dans Stardew Valley, le pêcheur. Pêcheur. Ah bah voilà, là je retrouve de l'argent, sauf que c'est du cuivre que je veux. Bon, c'est pas perdu, mais... C'est les lingots de cuivre qui me manquent, moi. Oh. Une anguille. Oh, bien. C'est rare une anguille, je crois que j'en ai jamais pêché. Oh, en plus, oh magnifique. Ha ha! Extraordinaire, tu bats tous les records. En plus, c'est bien, je vais siroter tout doucement ma bière sur 2 heures de temps, c'est très bien. Ça va me faire un lourd apéro délicieux. Putain, j'ai envie encore de faire 2 heures de mine pour le. Oh, dernier sac, c'est garage. Je veux du minerai de cuivre, bordeloum. Je vois pas où est le cuivre. Il n'y en a quasiment pas là, j'ai l'impression, je suis dégoûté. Barre-toi le fantôme. Non. Ah non, j'ai de l'argent. Désolé pour ces bruits bizarres. Non, c'est pas grave, je peux comprendre. Stardew Valley parfois rentre dans des états... En fait, c'est que j'ai le poisson qui est parti d'un coup très haut. Ouais. Et j'ai pas suivi. Ah merde. Mais en fait, quand ça se passe comme ça, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai remarqué, apparemment, c'est les anguilles qui font ce truc-là. D'accord. Ça se tient. Ça me paraît logique. Hop là. Et voilà. Pareil, là, ça a recommencé. Je pense que ça devait être une anguille. Pas la ville. La bus. Ouais, plof, hein, le... Ça me fait du minerai, mais plof. Je suis plutôt déçu de ma récolte. C'est de la pierre, de la roche que je vais manger. Ouais, il est
truc, le parchemin, non. Je sais lire le nain, on est d'accord. Hein. Oui, j'ai le truc de traduction. Ok. Ah bah attends, non, je peux faire encore deux lingots de cuir. Effectivement. C'est bien les anguilles qui font ces trucs là, parce que j'en ai pu pêcher encore une deuxième. D'accord. Une deuxième. Ok. Ah merde. Attention, il va être minuit, Tata. Oui. Tant pis, allez hop. Je vais rentrer. Aïe. Dix mille pas déjà. Ah ouais. Alors. J'ai annoncé le tableau mystère pour 20h05. Il est 19h35. On va évidemment enchaîner sur une autre semaine. Ce qui fait que, voilà, à 20h, quand mon carillon va sonner, on va arrêter à notre journée en cours, tu vois, en soirée. Je vais faire le tableau mystère et puis je vais revenir pour le bonus de fin de semaine et voilà. Pas de soucis. Donc on continue, voilà, exceptionnellement. Merde, je suis sorti de mon lit, moi, mais qui est con. Non, mais je veux pas pêcher le l'ennemi, c'est bon. Ça marche pas comme ça. Et là, un haut fait caché, succès caché. Vous avez assassiné un ennemi avec du fil nylon, vous l'avez étranglé. Voilà. Oh, les rapias. Un parchemin nain à la vente, c'est une pièce d'or. Ça vaut rien. Le truc qui vaut rien. Ta gueule, le coq. Ah, c'est la saison des murs. Cueillette. Ah, ça rapporte gros. Faut se promener dans toute la région, faire la récolte de murs dans les buissons. Oh. Bon, la ferme, elle se gère d'elle-même. Bon, il y a comme une récolte à faire. Ah, il y a des piles aussi, si tu veux. Bah, n'hésite pas à les récolter pour moi, s'il te plaît. Ouais. Je peux pas tout faire. Bah, bien sûr. Je vais te les récupérer. Ah, on a la récolte des bières, des mousses, c'est extraordinaire, c'est parfait. Je viens de te récupérer deux autres grenades. Shit explosif. Bien joué. Hop, je vais passer par là-haut et je vais faire tout le tour pour récupérer les murs. Mickey. Je t'en prie. Hop, et en même temps, je récupère le miel. Tant que je passe. Hop, les murs. Ok. J'ai pas fait l'argent. Meilleur. J'ai pas fait l'argent. Hop, d'argent à faire. La faux. Où est-ce que j'ai rangé ma faux? Il faut que j'aille faucher les. Ah bah elle est là. Je l'ai sur moi. Attends, ça je te le vends. Hop. C'est du bénéfice. L'amourante. L'amarante, pardon. Oh, je me laissais influencer par... Alors ça, c'est l'influence de Poupon, qui m'a fait la vanne tout à l'heure. C'est resté au fond de mon cerveau, tu vois. Reptilien de garçon. J'ai une image... très sensuelle. Trop, peut-être, même. C'est ça. C'est malin. C'est l'amarante, pas l'amourante. Ah là 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 là. Ah, j'ai vu une. Oh. Bah. Pourquoi mon. Oh, j'ai perdu un végétal, je sais pas pourquoi. La foudre, peut-être. Mais c'est pas de bol. Ah, t'as un minerai d'or, je pense, et des confits.
structures sont prêtes aussi. T'as encore un autre truc de minerai, je sais pas quoi, mais oui, je vais aller. Tu m'intrigues, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Minerai de fer. Ah oui, bien vu. Ça, c'est des minerais. Ah, j'ai plus de place. Attends, voir, j'ai plein de trucs à gérer là, je deviens fou. Bon, tant pis. J'ai mal géré. Il va falloir que je... Ah ben, attends. Alors, je crois que j'ai commis une bourde de tri. C'est pas la fin du monde, mais c'est en désordre. Ah ben, attends. Ah ben. Je vais garder... Hop. Tu les mets où, les piles? Bonne question, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai presque envie de te répondre, tu les mets où tu veux. On les retrouvera un jour. Là, bon. Le coffre marron, voilà, ouais, merci. Ok. Mais merde, non, mais ça, j'ai lu notre secret, tant pis, c'est pas grave. Ça c'est une canne à pêche, c'est pas des piles. Eh ben prends-la si elle t'intéresse. Non, non, mais c'est moi qui ai mis ma canne à pêche dans ton coffre, donc du coup, okay. Je me mélange un peu les pédales. D'accord, tout va bien. Par contre, tous les fruits, tu vas les mettre dans quel... Deux saisons. Alors, deux saisons, c'est le marron. Ah, Marnie, il faut que je lui donne le bouquet d'amarante que j'ai. Oh, génial, les champignons communs, j'ai pas de prix à faire, tout va directement dans mon inventaire. Et... J'ai pas intérêt à crever, moi. Vu ce que j'ai sur moi, j'ai 235 champignons communs. Ah oui. Dire que j'en ai pour plus de 10 000 de valeur de champignons. Je vais aller donner l'amarante à Marnie, c'est une quête à honorer que j'ai toujours pas faite. Comme pas j'ai l'amarante sur moi, ouais, je vais aller la voir dans sa ferme. Oh, les murs, j'ai oublié de faire la cueillette des murs, mais oui, mais non, mais j'aurais dû me presser. Il faut que j'aille gambader dans toute la prairie, dans toute la région, il y a des buissons partout. C'est pour ça que je te demandais tout à l'heure, pour les... Oh merde, elle est pas là. Oh les mourges. J'ai trouvé le caleçon du maire. T'as trouvé le caleçon du maire? Mon dieu, je veux même pas dire où j'ai trouvé. Ok. Oh mais, ça va monsieur le maire? Et Casanova, on va l'appeler. Oh le pervers. Pervers je sais pas mais non mais j'en connais une qui aime tous les animaux dis donc. Eh oh Marnie. Alors on aime les bêtes pleines de poils. Tu vois elle rentre chez elle honteusement là. Les bêtes Prions, pleines de poils qui roulent délit. La queue là. Et c'est pas un chien mais qu'est-ce que c'est. Monsieur le maire bonjour. Non mais c'est ça. N'importe quoi. Mais j'ai le maire, maire dans mon inventaire. Chante violet, porte bonheur. Mieux vaut pas les inspecter de trop près. C'est dans le descriptif. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le maire est un coquin. Ah, un train passe à Stardew Valley. Alors je sais jamais ce que ça sous-entend à part le passage du train. Mais c'est un événement plus ou moins chronique. D'accord, monsieur le maire. D'accord. Et comme quoi, tu vois, je te disais que c'est plus passionnant que les feux de l'amour. Eh ben c'est ouais, effectivement. Ouais, il y en a qui fricotent entre eux et disent rien, mais... Il y a des coups qui se perdent. Enfin, il y en a qui ont pris des coups, d'autres... Oui, ouais. Bon. Voilà, incroyable. On n'ira pas plus loin. Ouais. D'accord. C'est quoi ça? Ça explique pas mal de choses. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, j'ai réussi le... Friandise de lâche. Bon. Oh.
C'est pas tout d'avoir son froc, monsieur le maire, mais comment je vais faire pour le restituer discrètement? Évidemment, je vais pas attendre un festival sur la place du village. En vente aujourd'hui, le caleçon du maire. C'est ça. Le roi est presque mort, vive le roi, c'est ça. L'horreur. Sur la place du village. Oh, le mauvais goût. Ah, je vais rentrer à minuit, Torota. Oula, t'es en train de défricher un truc, c'est la folie. Ouais. Parce que nos sons d'action sont communs, donc on a beau être à 1 km de distance, je t'entends défricher le truc. C'est trop bizarre. C'est un petit bug de conception, mais c'est pas grave, mais c'est trop bizarre. Ah, il y a parce la boue qui s'est barrée. Il y a plein de... Là, il n'y a pas de mur ici. Tiens, j'ai pas un tournesol pour la blonde? J'ai pas quelque chose qui pourrait lui plaire? Non, je crois pas. Du... Ah, si, des confitures, peut-être. Oh non, je perds du temps, Faut que je me barre. Faut que je récolte la bouffe. Il faut que je fasse le tour du village avec tous les buissons. Ils sont où, les buissons les plus généreux? J'ai fait le tour, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé grand-chose. De quoi? De buisson de... En baie, ouais. En baie de mur. Bah, j'ai fait toute la partie basse au sud du village, du côté de la mer. Et j'ai fait le nord, justement. Et ah ouais. En haut, j'ai pas eu grand-chose. C'était déceptif, là. D'accord. Alors là, je t'avouerais que les buissons ont rien donné, ou alors c'est toi qui les as fouillés. Et t'as bien fait le job. Parce que je me dirige vers le nord, ouais. Je suis en train de monter, de grimper vers la montagne. Je vois Robin qui médite près de chez elle. Elle est sur la falaise qu'elle aime bien. Ah, je vois son homme, Dimitrius. Effectivement. Les confitures du côté de la carrière. Je crois qu'elles sont faites depuis bien longtemps. Ouais, bah tiens, justement. Je vais en faire à la mûre, puisque... Avec beaucoup d'amure. Le miel. C'est le maire qui le récolte, le miel de Marnie. Ça part très mal. Monsieur le maire, comment je lui rends son froc à Sloustic? Je peux aller le voir chez lui, sa meilleure chose à faire, aller le voir chez lui et lui dire, hop, ouais, vous avez votre froc. Je vais pas le faire en public. Mon vuleur. Mais si. T'imagines l'incident. Oh, l'humiliation publique. Il perd l'élection l'année suivante. Qui est maire? Non, je vais pas lui faire ça. Ah! Bonsoir. Eh ben, tu tombes bien, mon gars. Il y a personne. Vous l'avez retrouvé où ça? Oh, Là-bas? Je n'ai aucune idée de la façon dont il a atterri là-bas. Il tousse. Ça reste en vous et moi, vous avez compris? Ah merde, t'es fait éjecter. Non, sûrement parce que j'ai mis une sénette. Je pense que les sénettes te font éjecter. Je sais pas. Je pense que c'est un petit défaut du jeu. Oh, l'autre, il m'a donné 750 pièces d'or pour que je la boucle. Il m'a acheté. Ah, la quête hebdomadaire du village. Alors, 25 alors. Légumes, je peux pas, top qualité. Erasmodius, le sorcier, veut du plan primatique rare. Ouais, c'est faisable. Les tombes. Maintenant que je sais lire le nain, il y a une tombe naine là. Vous traduisez le langage des nains. Tenez-vous entre les trois piliers. Quoi? C'est une quête secrète? Tenez-vous entre les trois piliers avec un cadeau aussi précieux que le ciel, un arc-en-ciel forgé par la terre, pas de la mer, alors les galaxies entendront votre appel. Oh, les trois piliers au niveau de la statue de Maître Calélonie dans le bois secret. Un cadeau aussi précieux que le ciel, un arc-en-ciel forgé par la terre, pas par la mer. Donc l'arc-en-ciel de la mer, c'est le coquillage. L'arc-en-ciel de la terre, c'est quoi? Oh, c'est une énigme! J'adore! Je sais où je dois aller, mais je sais pas avec quoi dans les mains. Il y a un secret qu'on va trouver. Je savais qu'il y avait une tombe naine que je pouvais pas traduire depuis le début, mais comme je maîtrise la langue naine désormais, j'ai trouvé les quatre parchemins dans les mines, il y a des mystères qui vont m'être révélés de la société naine.
donc là il est 22h. Attends, moi j'ai une chauve-souris qui me... Tuer un slime prismatique et apporter la gelée au sorcier. Ouais, ça va être fait, ça va être fait. Vite, rapidement, minerai. Minerai! Autant rentabiliser la nuit. Youhou! Bien joué! On va faire encore une journée avant le tableau mystère, là, on a le temps. Monsieur le maire! Tiens, tiens, tiens! Ah, j'adore cette info croustillante! D'accord! 750. Yeah. Ouais, 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 il y a pas que les vaches qui se font traire dans le village. Ah bah tiens! Oh, elle vient se confesser. Ah non, mais je suis désolé, c'est ça! Bonjour, Mlle Samantha! Oui, bonjour, Marnie! J'ai besoin d'une faveur! Tu m'étonnes! Un caleçon de rechange, peut-être? J'essaie d'apprendre à mes chèvres à dire bonjour. Quoi? Quoi? J'essaie d'apprendre à mes chèvres à dire bonjour. Oh là là. Elles fument les crottes de biquette, là, quoi. Mais elles ne veulent pas faire ce que je leur demande, sauf si je leur fais mon os préféré, des carottes des cavernes. Étant donné que j'ai peur d'aller dans les mines, je me suis dit que tu pourrais me rapporter une carotte des cavernes quand tu en auras la possibilité. C'est pas urgent, mais si ça te dérange pas, je peux passer. Tu peux passer chez moi de 9 à 17 heures. Avec carte des cavernes, je rendrai une vieille. Tu rendrais une vieille fille très heureuse. Au revoir. Ouais, ouais, ouais. J'ai un cadeau pour toi. Le deuxième calbut du maire. C'est ça. Et tu sais, je pensais un truc super salace. La prochaine festivité, le prochain truc sur la place publique, c'est une tape dans le dos du maire. Alors, ces activités de forage, monsieur le maire. Bah. Oh non. Alors, Marnie, encore elle. Ouais, bonjour. Quand je ne suis pas en train de prendre soin d'animaux, j'aime expérimenter dans la cuisine. Comme notre amitié compte beaucoup pour moi, je veux partager quelques recettes avec toi. J'espère qu'elles te plairont, Marnie. Bouillon clair. Alors, je sais pas qu'est-ce que bouillon clair. Oh, alors, bonjour Samantha, encore un autre courrier. Dans une semaine, nous organisons la fête de Stardew Valley sur la place du village. Suivez mon regard. C'est le plus grand événement de l'année, attirant des gens de tout le pays de notre modeste village. Ah oui, heureusement que j'ai pas rendu le caleçon à ce moment-là. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un présentoir de fermier pour l'événement. Il suffit d'apporter jusqu'à 9 choses qui mettent en valeur vos talents. Vous serez jugé sur la qualité et la diversité de votre présentoir. La fête commence à 9h du mat, ne la manquez pas, Mère Lewis. Ouais, alors ça, oui, je le gérerai, on verra ça une autre fois, parce que c'est la semaine suivante. Les artichauts sont prêts. Les artichauts doivent être vite cueillis, sinon ils vont devenir des artis froids. Oh mon dieu, non, la vanne est nulle. Attendez, au secours. J'arrive plus à mettre de... Voilà, fournée du minerai. La requête de Marnie. Oui, alors carte des cavernes, je vais vite la satisfaire. J'en ai en réserve des cartes des cavernes. Non, c'est des artichauts, là. Ah, l'ombre des mers... De la plus haute qualité. Alors, le souci des artichauts, c'est qu'ils se repiquent pas. Ce qui veut dire que ça laisse une place vierge en agriculture. Bonjour, pour le chien. Ah bah, les canneberges sont prêtes. Ah, intéressant. Les canneberges vont donner régulièrement désormais. À surveiller. À surveiller. Putain, il y a même de la sève de pain. Oh, alors, je vais dans la grotte à côté. Champignons. Oh là là, il y a champignons de toutes les sortes. La totale. La nature est généreuse. Non, je vais pas manger l'artichaut du tout. Merde, est-ce que j'ai l'arroseur sur moi? Non, mais j'ai l'inventaire bien rempli. Oulala, 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 oulala. Oui. Tu voulais dire, Toronto? Non, rien, hein, je disais oulala. Comme moi, oui. Effectivement. On constate les mêmes choses. Alors, artichaut, artichaut. C'est nouveau les artichauts, j'en avais pas jusqu'alors. C'est une très bonne nouvelle. Alors, les murs. Faut retourner faire les murs, hein, parce que les murs, c'est plusieurs jours d'affilée. Hein. D'accord. Donc voilà, dès que t'en as l'occasion, précipite-toi dans la région et amuse-toi à... C'est juste qu'il faudra pas qu'on aille au même endroit, qu'on soit pas ridicule.
Donc à toi de choisir si tu veux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je fais... Merci Torota. Partout, si tu veux. Ou pardon, t'as choisi. J'irai partout. J'irai partout, je ferai un peu partout, et puis... Écoute, au moins c'est fait, c'est l'essentiel. Je suis un peu en mode panique à bord, parce qu'il y a tellement de trucs à faire que j'y arrive plus. Ok, bon, ben j'arrive. Là faut que je vide mes poches, parce que j'ai trop de trucs sur moi. Je traîne des trucs sur trop de journées, c'est idiot de ma part, vraiment. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai pas... Alors, tiens, ici, viens... Ah, mais j'en ai récupéré hier ici. Hop, je vais récupérer ça. Mmh. Voilà. Là, je suis dans le village, donc je tourne dans le village. Je vais. Si t'as des cadeaux à offrir, n'hésite pas aux villageois. S'il y a des trucs, tu penses pouvoir séduire, machin, fais-le. Toi, tu vas avoir des bonus toi aussi de ton côté en relation sociale. Parce qu'à force de les gâter, eux en retour, ils finissent par te gâter à nouveau. Donc, d'accord. Ouais, ça vaut vraiment le coup. C'est une dynamique très sympa. De gérer le social. Ah, moi, je voulais faire le goujat de service. Qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que tu fais, Abigail ? Je me dispute souvent avec mes parents, mais je sais qu'ils me veulent mon bien. Ils font ce qu'ils pensent être le mieux. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, ne le dis à personne. Mais arrête de te barrer, Abigail, en courant ! Eh oh, on n'a pas fini de discuter, malpoli ! Oh, l'autre ! Tout ça parce qu'on est en multi, là. Tiens, je suis pas rancunier, je vais vous faire une bouteille de vin. Donc là, je suis au sud. T'es au sud, ok, je vais faire le nord. Donc je vais aller vers la montagne, toi tu vas vers la plage. Ça me va. Je voulais faire quoi ? Je voulais acheter des graines. Parce que j'ai des emplacements vides dans les champs et c'est pas bien. Ça me va très bien. Ouais, c'est très bien que je fasse le nord. Il y a moins de choses à faire au nord. Ah, il y a les filles qui sont en train de faire leur gymnastique de leur côté. Du côté de chez Pierre. Qu'est-ce que je t'achète, mon pauvre Pierre ? Alors, 8 jours. Ouais, on va refaire des artichauts. Allez. C'est sympa. Ça coûte pas cher. Merci, Pierre. Tiens, je t'offre une bouteille de vin, mon garçon. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Si tu veux, il y aura des champignons à récolter dans la forêt secrète. Ok, oui, l'énigme de la forêt secrète. L'arc-en-ciel de la terre, mais pas l'arc-en-ciel de la mer. Je connais l'arc-en-ciel de la mer, mais pas celui de la terre. Oh putain, pardon, je suis grossier. Je crois que j'ai trouvé. Par déduction, quel est l'arc-en-ciel de la Terre ? C'est la super géode multicolore. C'est logique, ça se tient. Mais il n'y a personne chez eux à 16h, mais c'est pas possible. Je voulais faire un cadeau et spontanément offrir un pot de miel et... Ah bah tiens, t'es où Linus ? Le bon copain là qui vit sous la tente. T'es où mon garçon que je t'offre un pot de miel, tu vas adorer. Mince, il est pas chez lui. Faut dire aussi, il fait encore bon en automne. Ah, il est au bord de l'eau. Ah, ça me fait plaisir de lui offrir un pot de miel à Linus. Salut mon garçon. Mais oui, tu parles, c'est un cadeau formidable, tu m'étonnes. Si t'as un peu de pain, du bon miel, tu vas t'éclater la panse. Alors, les buissons, il n'y en a pas tant que ça, chargé en mur. Ah, j'en reviens pas. Le coup du maire qui... qui fricote avec Marnie. Ouais, bien joué, Demetrios. Allez, je suis fou. La pêche qualité or, je te l'offre. Tu m'étonnes que c'est un spécimen très intéressant. Elle est de grande qualité. Donc, j'ai acheté mes graines, faut... Il faudrait que je les plante avant la nuit, mais... Merde, non, là, les buissons ne donnent rien. Ah, oula, la carrière. La carrière, il y a de la sève, de la résine de chêne. Ouais, on termine notre journée de mardi et la pause du tableau mystère. Ouh, oui. J'ai un minerai d'or. Ah, les confitures sont pas finies, elles continuent de fermenter dans les tonneaux, donc je passe mon chemin. Qu'est-ce que je fais ? Je ressors par les mines ? Ouais, c'est peut-être plus malin.
Parce que il y a des buissons du côté de la gare. Je suis pas allé voir la gare, vraiment au sommet de la montagne. Il faut que j'aille. Tac. Ah, t'auras les bières aussi de prête. Je génial. Passe devant. Génial. Les buissons de la gare, il y en a 2-3. Non, ils sont tous vierges. Il y en a pas un qui porte des murs. Non, la gare, il n'y a rien. Oh, la raide de la nature. J'en ai récupéré le jour précédent. Ouais, mais le jour précédent, bien joué. Ouais, bah, t'as épuisé des buissons, en fait. C'est ça, l'idée. Ils donnent sur... pas du jour au lendemain. Ouais, c'est logique, hein. Ah, là, j'en ai dans mon chemin au-dessus. Je viens de faire un buisson. Ah, j'ai un deuxième buisson qui est chargé en mur. Je m'en fais 3. Et encore, toi, parce que moi, quand je fais un buisson, j'ai 3 murs. Je crois que toi, t'es débutant, donc t'as qu'une seule mur. Je me trompe? Là, je sais pas, j'ai pas fait attention forcément au nombre de murs que j'ai récolté. Ouais, je présume que t'en as qu'une seule. Parce que là, j'en ai 25. Ouais. Donc ouais. Je pense qu'il y en a une ou deux où j'ai pu récupérer un peu plus. Bah, quand j'étais en solo, avec le fait que je peux en récolter 3 par buisson, je te cache pas que je reviens, j'en ai une centaine, moi, quand j'ai fait le tour du village. Ah oui, d'accord. Ça vaut vraiment le coup. Ouais. Ça me fait. Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas mieux que je te laisse Si, c'est vrai. Si, mais il faut qu'on s'organise. C'est-à-dire que si moi je fais la cueillette, c'est à toi de gérer la ferme, tu vois. Donc il faut que tu gères le. Bon, l'arrosage, et qu'ils n'ont plus rien à faire, tout est automatisé. Mais. Il faut que tu donnes l'eau au chien, la gamelle du chien, que tu gères la grotte aux champignons. Il faut que tu t'assures qu'il n'y a pas de récolte à faire au niveau des champs. C'est pas évident. Hein. Pourquoi j'ai ça sur mon truc? J'ai dû péter encore un. Ah mince, ouais, t'as fait un dégât d'un truc. Bah voilà, le chien, il n'a pas d'eau là, par exemple. On a oublié de donner la. Ah, mais c'est ici. Bah je l'ai fait à l'instant, mais. Non, mais c'est un chemin de. De quoi? Chemin de. Il y a 3 sorties dans la ferme. Il y a la sortie du haut, là. Il y a une sortie en bas, et il y a la sortie la plus célèbre qui est sur la droite, qui mène directement à la place du village. Il y a 3 sorties dans la ferme. Nord, sud et est. Il n'y a pas de sortie ouest. Le ouest est toujours un mur ou un océan ou ce que tu veux. Ça dépend le type de ferme que tu as choisi en début de partie. D'ailleurs, il va y avoir un nouveau type de ferme qui va arriver dans la prochaine mise à jour. C'est dire l'ingéniosité et l'imagination du créateur. Ils sont 2 à faire Stardew Valley, si j'ai pas de bêtises. C'est un couple ou un binôme qui bosse dessus. Non mais bravo à eux, quoi. Ils méritent leur succès. Ah ouais, GG. Ouais, exactement, good game. C'est ça. Donc on va faire le tableau mystère. Moi je vais siroter ma mousse. Bah alors, t'as pas ramassé de bigorneau dans la cage à poisson. Hop. Oui, j'avais plus de place, justement, c'était pour ça que j'allais à la maison. Bon. Eh ben, c'est fait. Par contre, attention, je te préviens, j'ai pas remis d'appât dans la cage. Hein. Elle est vierge, là. Oui, t'inquiète pas, y a pas de souci. On n'est pas urgent. On n'est pas dans l'urgence. Là, pour l'instant, je. Merde, non, mais je vais rentrer. Ah, j'ai pas replanté les choux-fleurs. Ah, il y a des emplacements vides de culture. Vite, j'ai oublié les choux-fleurs. Panic on board, vite, heureusement que je les ai en main. À tour de main, vite. Y a un truc que je peux bêcher. Ouais, y a une parcelle de terre que j'ai zappée. Hop là. Je crois qu'il n'y a plus d'emplacement disponible. Évidemment, j'ai acheté plus que de raison, mais c'est jamais perdu. C'est pour la saison suivante. Voilà. Ah bah on va s'octroyer une petite pause, Torota. Oui, arrête si le tableau mystère. C'est bien, tu vas pouvoir boire un coup, aller aux toilettes, te rafraîchir, ce que tu veux. Et le tableau mystère, en général, ça dure au moins un quart d'heure, si c'est pas plus. Moi, je vais pas remettre de siroter ma mousse tout doucement. Là, je vais te crafter des torches, si tu veux, pour ton jardin. Okidoki.
Alors, je vais mettre ma manette là. Voilà, normalement, voilà, on zappera pas le jour qui va arriver. Alors, le tableau mystère.